Bonjour, bonjour. J'espère que ça va bien. J'espère aussi que ça fonctionne bien. Je vais aller m'assurer de ça. Est-ce que je suis en direct au bon endroit, hein? Je pense que oui. Je pense que oui. Yes. Yes, yes, yes. Donc, voilà, voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Je pense que je tout croche. Ah, la laille. Bon, est-ce qu'on a... On va se tasser un peu, essayer de centrer ça. Bon, je fais tout tomber. Donc, j'espère que ça va bien. Hey, salut, Marguerite. J'espère que tu vas bien. Là, j'étais en train de regarder tantôt. J'ai fait le tour. Ça se pourrait-tu que j'aurais seulement deux participantes qui ont participé le mois dernier avec la dernière palette? Je crois que j'ai seulement, seulement Guylaine et je veux pas dire n'importe quoi, c'est-tu Sarah? J'ai Guylaine et j'ai. Guylaine. Bon, je trouve pas tous mes commentaires. Guylaine et Diane, ça se pourrait-tu? Ah, ben non, mon Dieu, je viens de voir. Sarah me fait ici aussi. Ok, je les avais pas vus. Waouh, ok, donc j'ai plus de monde que je pensais. C'est super beau, les filles, super, je suis contente. Je pensais que j'avais seulement deux personnes. J'en ai quatre. C'est pas énormément, mais hein, quand même, c'est mieux que deux. Donc, je vais faire un petit tirage. Et là, dans le fond, c'est à peu près la même grosseur. Oups, ça, c'est pas bon, par contre. Et là, je vais vous dire ce que je veux vous dire. Je vais faire tirer. Je trouvais tellement pas quoi faire tirer que j'ai décidé que j'allais faire. Dans le fond, je vais. Le dernier mois, j'avais fait gagner un lot au choix parmi ceux-là qui s'en allaient que j'avais finalement. Là, que je vais faire, je vais y aller avec les plioirs. Puis là, j'en ai aussi qui datent de plus longtemps. Donc, je vais vous les montrer vite, vite. Mais celle-là qui va gagner, qu'est-ce que je ferai? J'enverrai les photos là, qui sont prêtes. Ça, c'était Lucette. Les meilleurs commentaires. Je vais juste m'assurer que j'ai personne d'autre. Parce que des fois, Facebook, il ne me met pas tout. Donc, j'ai Lucette. J'ai Diane. Et j'ai Guylaine qui ont fait des super de beaux projets. Merci beaucoup les filles. Donc voilà. Donc, on y va. On y va. J'espère que j'oublie vraiment. Peut-être ici. Peut-être qu'il y a quelqu'un. Non. Oui, non. Non, oui. Je veux vraiment m'assurer de rien manquer. Hein? On ne sait jamais des fois. Des fois, vous me jouez des petits tours, puis vous me mettez ça comme en dessous d'une autre photo. Comme là, j'en avais en dessous de la palette, mais celle-là, justement, quand je dis... Celle-là que je bricolais. Bref, c'est bon. Je pense que j'ai vraiment tout le monde. Donc, je vais piger une gagnante ici. Marguerite, toi, t'en avais-tu fait des projets? Non. Avant que je pige, là, des fois que tu aurais participé et que je ne l'aurais pas vu. Hein, ça serait pas drôle. Ça serait pas drôle du tout. Je ne penserais pas, mais bon. Donc, j'y vais. Question, si tu as fait un projet, genre, c'est un deuxième tirage avec ton nom dedans. Donc, on a Guylaine qui gagne un plioir de son choix. Je vais te montrer vraiment rapidement, là, si jamais t'en vois un passer. Les prix qui sont dessus, dans le fond, c'est pas qu'ils sont à vendre, c'est juste que je mets les prix, je prépare autre chose pour dans un petit bout quand ça va être prêt.
Donc, j'ai lui ici. Ça se peut qu'on les verra pas bien. Hein. Bref, je vais t'envoyer des photos, là, mais j'ai un peu de choix quand même. J'en ai une coupe. Donc, voilà. Bravo, Guylaine. Merci d'avoir participé. Donc, on y va avec la palette. J'avais vraiment envie de couleur. Hein. Il me semble que je me suis lâchée lousse. Puis, en fait, avec pas trop d'idées où je m'en allais avec ça. Donc, ça se peut que ce soit pas facile. Mais bon, hein. Je m'en sors toujours. Je finis tout le temps par m'en sortir. Au choix. Donc, je vais mettre ça ici. Voilà. Donc, hey, bonjour Roland. J'espère que tu vas bien. Donc, voilà. On a vraiment une grosse palette aujourd'hui. Ça va être le fun. Puis là, j'ai comme deux idées. C'est vraiment beau. Même s'il y a beaucoup de couleurs, là, je pense qu'on a quand même quelque chose de bien. J'ai deux idées. En fait, je viens d'avoir un flash. Guylaine, tu me diras si t'aimes mieux. Je pense que je m'avais dit que les plioirs, c'était compliqué. Tu me diras si t'aimerais mieux comme un échantillon de cette collection-là, la collection Promenade et Rêverie. Je te mettrai comme un papier design de chaque, un morceau de 6x6, là, des papiers spécialités, puis des ornements aussi avec ça. Donc, tu me diras, j'ai complètement oublié. Je m'avais dit, je vais faire ça à la place, ça va être plus simple. Puis, mon petit cerveau m'a joué un petit tour. Donc, bref, je mets ça de côté, mais si jamais ça t'intéresse plus, tu me laisseras savoir. Bref, je vais communiquer avec toi un peu plus tard. Donc là, c'est ça. J'ai eu comme première idée, je me disais que je pourrais m'amuser avec joyeux anniversaire. Pensée affectueuse, dans le fond, il y a vraiment, moi, c'est les découpes là, ici qui me font capoter. On s'entend, là, sont vraiment magnifiques. Là, la grosse ici, là, c'est vraiment wow. Donc, il y avait ça aussi qui me tentait avec le kit de temple, les vœux, c'est super beau. C'est sûr que là, je laisserai tout ce qui est papier à motif et tout de côté, puis je me concentrerai vraiment plus sur le lot. Puis je viendrai peut-être fouiner dans d'autres papiers design et tout qui viennent chercher des couleurs que j'ai ici. Et sinon, j'ai aucune idée où je m'en irai avec ça, mais j'ai peut-être nichoir campagnard que j'ai pas encore bricolé avec, qui vient dans la collection là, bois de campagne. Donc là aussi, je ne sais pas comment je ferais pour tout mettre mes couleurs, mais je pense que c'est faisable. Là. Je pense qu'il y aurait quelque chose à faire, même que là, j'ai peut-être une petite idée, vite. Bref, j'ai deux personnes en direct. Dites-moi donc, est-ce que j'y vais? La première qui me répond. Celle qui décide. Je ne sais pas, sinon je ne prendrai pas de décision. Est-ce que j'y vais avec nichoir campagnard ou j'y vais avec pensée affectueuse? Vraiment, là, moi j'hésite trop. Dites-moi, quelqu'un, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais prendre une petite gorgée. Je ne sais pas quoi faire. Et là, c'est quelqu'un qui va me répondre. Personne ne me répond. Oh non! Je vais regarder quelque chose. Je vais peut-être faire un test avec mon idée que je viens d'avoir. Voir qu'est-ce que ça donnerait. Je vais faire un petit test. Ouais. Je me suis dit que ma petite cabane, si je venais la découper sur ce papier-là, mais que je réussis, je sais pas si je serais capable de colorer chaque planche, en tout cas, quelques planches dans quelques couleurs de ma palette ici. Il me semble que ça pourrait être cute. Avec des stamping blends, bien sûr. Bon, on va essayer ça. Puis si c'est concluant, là, je pense que je me lance avec ma palette. Mystérieuse brume claire. Je me lance avec le lot nichoir campagnard. Donc, je vais juste me sortir quelques crayons.
quelques stamping blends. Dans le fond, c'est sûr que j'irai. Peut-être que je ne mettrai pas de toute façon. C'est sûr que ma cabane en tant que telle, là, elle ne fait pas. Elle fera pas si long que ça. Là, je mettrai quelques planches. Donc, je ne sais pas si je mettrai toutes les couleurs, mais bon, on va voir de quoi que ça a l'air. Semi de trèfle. Après ça, j'aurai besoin de limonade à la limette aussi. Ensuite, j'ai ça ici. J'ai ça, j'ai juste mis le clair, la mystérieuse brume, mais je pense que ça devrait aller. Copacabana, je ne l'ai pas. Par contre, j'ai l'impression que je pourrais tricher avec ça du plongeoir. Là. Ça se ressemble pas mal. Là. Ça se ressemble. Et flamant fougueux. 1, 2, 3, 4, 5. Il en manque une. Là. Il manque une couleur. Une ici. 2. 3. Ok, non. Il me manque-tu une couleur dans mes. Il me semble que j'avais 7 couleurs en tout. Ah, mon melon mambo. Ben. Ok. Donc, melon mambo. On a ça aussi. Hey, ça va être coloré. Si ça donne un bon résultat, ça risque d'être assez intéressant comme. Assez intéressant. Donc, je vais vraiment faire un petit test comme en haut ici. Là. Qu'est-ce que ça me donne? Puis, on va voir. On va prendre une petite décision après. Admettons que. Ça va-tu me donner un effet vraiment? Ben, je pense que oui. Ça me donnerait vraiment comme des planches de bois toutes différentes. C'est intéressant. Je pense que. On va regarder. Qu'est-ce que ça me donne? Je suis pas sûre encore. Mon Dieu. J'ai-tu été dans le pâle? Je pense que oui. En plus, mettons, limonade à la limette. Ça ferait-tu drôle? Est-ce que ça ferait drôle si... C'est peut-être intense un peu. C'est sûr que cette palette-là, là, je la voyais pas nécessairement. Aussi punché que ça non plus. Je suis pas sûre. Hein. Je suis vraiment pas sûre. Dans le fond. Admettons que j'y vais. Bon, écoute, je viens de prendre une décision. Je suis pas sûre. Je le sais que on dirait que je fais le défi parce que je sais que penser affectueuse, ça serait facile. Qu'est-ce que je vais faire là? Je pense que mes couleurs qui sont plus foncées, je vais faire des tests de 1, mais je vais rester dans des couleurs pâles pour ma cabane à oiseaux. Et pour mes couleurs plus foncées, bien, je vais m'organiser pour les mettre sur mon petit oiseau, mes fleurs, des choses comme ça. Peut-être différemment aussi. Mais je pense que l'idée est bonne. Je pense vraiment mon petit flash que je viens d'avoir. Mais je sais qu'avec pensée affectueuse, ça serait facile. Je pourrais sortir des techniques d'aquarelle, découper les découpes, des choses comme ça. Ça serait beau. C'est sûr, sur sûr. Là, je me casse un peu plus la tête. Hein? Ça vous surprend-tu? Mais j'ai l'impression que ça va valoir le coup. Donc, ça me tente. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je l'étends? Ça, c'est une autre question parce que si on regarde
je peux vraiment comme soit l'étamper, puis après ça, oui, colorier. Mais je peux aussi découper les pièces, puis après ça, assembler ça un peu comme ça. Je pense que j'aime mieux comme ça. Hein? Je pense qu'on va... Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la découper en premier. Je vais découper la grosse... La grosse cabane. Ça va me donner une idée. Je vais peut-être découper en même temps mon trou. Que là, faut que je le gauge à peu près, ce trou-là. Donc là, je vais me découper ça à peu près pour être capable d'aller la découper. Voilà. Et j'y vais comme ça. Je m'en vais à la machine. Je vais prendre une petite minute. Et là, ces temps-ci, ça fait une couple d'années que c'était pas. Des fois, on en voyait un passer. Mais j'ai des lièvres sur mon terrain, des fois. Il y a des années que je me levais le matin, j'en avais 3-4. J'en avais tout plein qui étaient en train de manger probablement du trèfle. Il y a beaucoup de trèfle dans mon gazon. Puis le samedi, Kenan avait un ami accouché en plus. Puis il y a un lièvre qui s'amusait sur mon terrain. Il courait partout comme un fou. C'était vraiment drôle. Et puis là, j'ai hâte de voir. Je viens de me rendre compte que ma vidéo a l'air à bugger un peu. Donc, j'ai peut-être quelqu'un qui m'a répondu « Ah, fais ça avec telle affaire. » Puis finalement, je ne l'ai juste pas vu. Mon Dieu, je vais aller voir. Je vais essayer de recharger ça sur mon ordi. Est-ce quelqu'un qui m'a répondu? Non, OK. Bon, au moins. Moi, je ne ferai pas de, déception. Donc, c'est ça, il y avait un lièvre qui a couru pendant 10-15 minutes là, d'un bord puis de l'autre, un peu comme mon chien fait. Quand il est bien content, là, il fait ça. Puis, à matin, je ne sais pas si c'était le même, j'ai sorti dehors, je m'en allais asseoir Clara dans le camion, puis j'ai fait face à face, on était à peu près à 2-3 pieds de lièvre qui était là. Il était planté là, dans la gravelle, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait là. Mais, tu sais, il m'a quasiment fait faire un saut, le petit mouge. Fait qu'il est parti. Mais tu sais, il s'est éloigné quand même tranquillement. Donc, c'était vraiment mignon. Clara était trop contente. C'était trop, trop cute. Donc, voilà mon petit épisode cute. Puis tantôt, j'avais une perdrix sur le terrain. Donc, là, la faune est là. Oups, là, ça, c'est flamant fougueux. Ça, c'est le foncé. Il est peut-être dû un petit peu, mon flamant fougueux, on dirait. Ça, c'est flamant. C'est-tu celui-là que j'ai fait tantôt? Ah non. Il n'est pas pareil. Donc, je pense que je vais y aller. Je vais mettre du flamant fougueux pâle, du bain à bulles pâle. À date, c'est ça. J'ai limonade à la limette. C'est super beau. Ça ici, ça risque d'être foncé. C'est pas si pire, mais... J'ai l'impression que je pourrais peut-être un peu plus y aller. Ça aurait été beau, hein, là. Je pourrais-tu tricher avec le piscine party, je pense. Il me semble. Tu sais, piscine party foncé, puis... Tu sais, c'est un peu dilué du Copacabana, hein? Ben oui. OK. Donc, je vais y aller avec ces trois couleurs-là pour ma cabane. Mais ces quatre couleurs-là, pardon. Et après ça, on verra. Là, c'est sûr que je vais rajouter aussi des couches en haut. Donc, je vais peut-être pas. Qu'est-ce qui va être apparent? Qu'est-ce qui ne sera pas? Ça, c'est une bonne question. Dans le fond.
quand je vais venir acheter mes petites couches, là, je pense que je vais faire ce bilan en premier, puis après ça, je verrai si j'ai besoin d'en rajouter. Mais bon, on y va. Donc, j'ai des Stamping Blend qui commencent à avoir de l'âge, je crois. Qui ont en fait, c'est pas tant de l'âge, parce qu'en général, ça reste bon, mais probablement qu'ils sont un peu... ils ont été très utilisés. Mais surtout, Piscine Party, ça me surprend pas. Hein. Si, des fois, j'ai des nouvelles couleurs préférées, mais Piscine Party, c'est pas mal une que je me sers le plus. Je crois. Tiens, je pense que ça va être le fun, là, comme concept. Donc, ici, j'ai-tu bien pris? Ouais, j'ai pris le clair. Des fois, on pense pas à ça, colorier. Tu sais, des fois, on a des images qu'on peut... sur du papier design, qu'on peut venir modifier la couleur un peu. Ça arrive aussi qu'on a... je me souviens dans le catalogue annuel qui vient de s'en aller. Oh non, ça c'est le foncé. On avait la collection de Zoo, là. Mais dans le papier design, il y avait un côté qui était noir et blanc. Donc c'était le fun de venir ajouter de la couleur. Tiens, comme ça. Mais là, sur du papier bois aussi. Hein, on peut le faire quand il est plus blanc que. Ah, j'aime ça. J'aime bien ça. Voilà. Et je retourne avec mon flamant fougueux. Puis normalement, ici, je vais venir couvrir par-dessus avec quelque chose. Donc, voilà. Je vais les mettre de côté. Et là, ben, ça va être de décider. On vient mettre en bas, en haut. J'ai même, tu sais, j'ai du mystérieuse brume. J'ai le papier, mais je pense que ce serait trop. Ici, tu sais, celui-là, là, je trouve beaucoup qu'il ressemble plus à Copacabana, je trouve, qu'à Piscine Party. C'est drôle, là. Mais ils l'ont mis. Bon, il est peut-être entre les deux. Je sais pas. Bref. Je ne sais pas comment aligner mes flûtes, finir mon petit bas puis mon petit haut. Ici, j'avais peut-être envie d'essayer de mettre une petite tête d'oiseau à l'intérieur, puis essayer d'en mettre peut-être un à l'extérieur. C'est sûr que mes oiseaux, ça aussi, ça, je vais pouvoir m'amuser avec la couleur en masse, en masse, en masse. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, c'est sûr que j'ai ma petite bande festonnée que je vais venir découper. Que je peux même étamper des petits... Triocture un peu, là. C'est vraiment mignon. Comme ça, ici. Est-ce qu'elle fait les quatre côtés? Oui. Donc, ça, je vais m'ajouter ça. Après ça, ben écoutez, je pense que je vais mettre en haut des choses. Puis, on va commencer à faire quelque chose avec ça. Après ça, c'est sûr que, je ne sais pas, les fleurs... Qu'est-ce que je fais? Est-ce que, tu sais, j'en ai que je peux étamper, puis il y en a que je peux carrément juste découper, là, qui serait super joli. Hey, c'est bien embêtant. Donc, là, il faut prendre des décisions. C'est sûr que tout ce qui est semi-trèfle, je vais pouvoir en mettre dans mon feuillage. Donc, aussi, si je viens étamper des trucs. Je vais. Ok, je prends une décision. Ça peut pas être beau. Je pense que ça ici, j'ai envie de le découper peut-être sur un papier de couleur. Vraiment coloré. Puis peut-être de venir
de venir le gaufrer en blanc. Ou sinon, qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais l'étamper plus foncé, mais c'est pas nécessairement. C'est pas tout le temps réussi, ça, quand je fais ça. Des fois, je suis pas satisfaite, hein? Ça arrive. Donc, si je vais dans le. Je vais-tu dans le Copacabana ou je vais dans un petit rose? Peut-être mon bain à bulles. Je pense que ça serait cute. On va faire ça. On va faire ça. Donc, bain à bulles. Il est juste ici. Ça serait-tu joli? C'est comme ça, je pense que oui. Donc, ça ici, je vais venir le découper. Comme ça, mon Dieu, ça va vraiment être une petite carte à date. Là, on dirait une petite carte de petite fille. Je vais rajouter. J'ai peur d'avoir de la difficulté à rajouter mon mystérieuse brume puis tout le kit. Je pense que je vais essayer de faire d'aller découper plein de trucs en même temps. Ça va m'aider un peu à visualiser le tout. Donc après ça. Ça, je vais faire des fleurs. Je vais étamper des fleurs. Parce que j'ai vraiment l'impression que ça m'en prend, là. Sinon, je vais avoir de la misère. Ça, ici. Ils sont pas tous le même genre de. Ils sont vraiment pas tous pareils. Celles-là qui sont debout, je les trouve comme drôles un peu. J'aime vraiment mieux ceux-là comme ça. Là. Je les trouve plus jolis. Puis ceux-là ici. Puis ça ici, j'étais en train de me demander si ça serait pas plus joli avec mes brosses estompes. Tu sais, que ce soit plus délicat. Je me pose la question. Tout ça, ça se découpe. Donc, on va y aller comme ça. Et même, qu'est-ce que je préfère? Je suis en train de me dire que j'ai du papier à motif qui est comme blanc. J'aurais pu venir teindre, mais que j'ai pas de ligne dedans. T'sais, ça aurait été un autre. Bref, je suis vraiment embêtée. On va faire des tests. Hein? Ça va être ça. Sinon, on s'en sortira pas. Donc, je vais. Étamper ceux-là ici, je vais m'étamper un petit oiseau certain. Un, peut-être même deux, puis je vais vous montrer une petite technique que vous connaissez peut-être ou pas. Hein? En même temps. Donc. Ouais, on dirait que. J'espère que ma connexion est bonne. Parce qu'à date, j'ai deux commentaires. Puis j'ai l'impression, en tout cas, de chez nous, quand je m'écoute. Ça bug. Ça va bien. Ça part bien. Donc, on y va. Oh, je vais m'étamper. Peut-être deux fleurs comme ça. Une. J'en fais deux, mais je ne sais pas. Je vais avoir besoin des deux. Là, je pense que j'ai une petite fleur qui est décollée, je ne sais pas où. Ouais, c'est ça. Hein, quand on sort plein d'affaires, là. Puis qu'on se ramasse pas au fur et à mesure, mais je vous avouerai que je me ramasse bien rarement au fur et à mesure, même. J'allais dire que c'est parce que, vu que je suis en direct, je veux pas vous faire attendre, mais même quand je suis en direct, là, je me ramasse pas bien au fur et à mesure. Alors, on va se dire les vraies affaires. C'est assez rare. Donc, celle-là ici, je veux vous montrer une petite technique, je sais pas si vous la connaissez. J'espère que j'ai quelque chose proche. C'est l'effet miroir. Là, on dirait que j'ai pas de tapis. Mon petit tapis en silicone. Là, si je suis pas capable de le trouver, ça va être un petit peu compliqué. D'habitude, c'est dans un tiroir en particulier. Et là, il est pas là. Et là, il est bon, mais ça marche pas, mon frère. Est-ce que je pourrais l'essayer sur autre chose? J'ai peut-être ça ici, le petit tapis de Stampin' Up qui venait avec. Je vais le laisser là-dessus.
ça venait avec, avec la plaque en vitre, dans le fond, quand on devenait démonstratrice pendant le Celebration. Sauf que là, c'est sûr que c'est pas... D'habitude, j'ai un beau petit tapis noir, là. Noir ou gris, en silicone. J'ai vraiment aucune idée. C'est où? Je vais faire une dernière recherche juste dans mon tiroir à côté. Mais d'habitude, il est vraiment tout le temps. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire avec cela? Il est toujours dans un tiroir avec mes couteaux à palette puis tout ça pour faire de la pâte à texture. Puis là, il n'est pas là. Bon, OK. Fait qu'on plan système D. Mais d'habitude, on a un petit tapis en silicone. Je crois qu'il est disponible sur la boutique en ligne, dans le catalogue. Je ne sais plus s'il est là. Je vais l'essayer, genre, ici. Puis, je vais découper mon petit oiseau. Donc, ça permet de, à la place d'étamper directement sur le papier, je m'en viens étamper sur mon tapis en silicone, d'habitude que je ferais, mais là je vais le faire là-dedans ici. Et avec mon papier, je m'en viens récolter l'angle. Donc normalement, si ça a bien fonctionné et que j'ai pas fait bouger mon papier, je devrais avoir, je pense que ça a marché, un beau petit oiseau de l'autre côté. C'est sûr que souvent il est un petit peu plus flou, un peu moins parfait. Mais dans le fond, que je vais faire, je vais le mettre à l'intérieur. Fait que je voulais juste son petit bec, là, finalement. Je voulais pas nécessairement qu'il soit parfait. Donc, je vais en avoir comme un ici, puis l'autre qui est là, qui parle. C'est parfait comme ça, même si c'est pas net. Ça devrait bien aller. Donc, on a ceci. Ça, c'est fait. Après ça, je vais faire quelques... petite fleur. Voilà. Ça, on va en faire trois de chacune. Ça devrait être bon. Et. Celle-là ici. Pas tout à fait pareil. En fait, elle ressemble plus à ça. Là. Tiens. Et voilà. Voilà. Donc, on a ça ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les colorer tout de suite. Pour aller à la machine à découpe d'un petit coup, hein? Donc, on y va, mes petits oiseaux. Je vais y aller dans le... J'ai envie de mettre du mystérieux, mais pas juste. Si j'allais dans le saut... C'est foncé, ça. Hein? Ok, on va y aller quand même. Donc, je vais le faire vraiment complètement. En fait, j'aurais pu aussi utiliser, tant qu'à tricher, j'aurais pu utiliser le piscine party puis me faire un trois couleurs. Oups, là, j'ai dépassé un petit peu. Normalement, j'aurais plus utilisé la petite pointe là, pour... des petits détails comme ça. Et là. Je vais venir... ça. Vraiment. Faut pas hésiter des fois. Ben là, j'ai même pas fait de test. Normalement, j'aurais fait un petit test. Mais à essayer de mélanger les couleurs avec les Stamping Blend, là, ça donne des super de beaux résultats des fois. Ça vaut la peine d'essayer. Et là, je sais pas si je prendrais mon petit
piscine. Mon piscine est tard. Je ne sais pas si après d'avoir le coup pour essayer de parler. Des fois, ils ont un petit effet. Ouais, c'est ça. Ils ont un effet vraiment. On dirait qu'ils ont une concentration dedans qui vient. Qui vient parler un petit peu. Donc, comme ça. Voilà, voilà. Je sais pas si ça va être joli, si ça va fitter, mais bon. Puis, mon autre, je pourrais le faire un petit peu plus pâle, justement. De toute façon, lui, j'ai pas besoin de le faire au complet. Là. Je vais juste descendre comme ça. Juste comme ça, ça devrait être suffisant. Puis là, ben, c'est sûr que mes petits becs, je peux aller dans le. Il y a pas des petits oiseaux avec des becs gris, il y en a avec des becs oranges. Je pense que je vais y aller dans le gris, vraiment, pour qu'on garde une belle uniformité de. Je rajouterai pas une huitième couleur en plus. C'est comme ceci. Vraiment les petites pattes. Je vais peut-être devoir ajouter plus foncé. Je ne sais pas. Est-ce que ça vaudrait le coup? Est-ce que les beaux palais sont foncés longtemps? Comme ceci. Et je vais juste venir essayer de l'allonger un petit peu. J'ai l'impression que j'ai même pas la même teinte de gris. Mais bon, c'est vraiment pas grave. Donc j'ai deux petits oiseaux. Après ça, les fleurs. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir. J'ai envie de mettre du Mystérieuse Brume. Mais je suis pas sûre. Je suis vraiment pas sûre. Je vais aller dans le bain à bulles. Je vais en faire des limonades. Je vais essayer de mélanger mes roses. Ça devrait être bien. Là, je vais essayer une autre tactique. Je vais y aller en plus foncé pour commencer. Ça, c'est-tu bien? Oui, c'est bien mon bain à bulles. Donc, je pars. Moi, j'aime ça en mettre comme à la base de mes pétales. Quand c'est des fleurs, en fait. Je parle bien de Stumping Blend. Puis après ça, je m'en viens étendre la couleur. Puis des fois, c'est délicat. Des fois, ça ne paraît pas beaucoup. Des fois, il faut revenir avec le foncé. Des fois, on a vraiment l'impression que le foncé est beaucoup plus foncé que le pâle. Donc, on va mettre une couche de pâle en premier, du foncé, on va revenir. Puis, des fois, on pourrait faire une première couche de pâle. Quand il n'y a pas une grosse différence comme ça, là, juste une première couche de pâle, on revient avec le foncé. Là, puis, normalement, il va comme se blender tout seul. Là, quand il n'y a pas une grosse différence, ça va vraiment me donner un effet dilué. Donc, c'est parfait comme ça. On va faire l'autre aussi. En fait, là, j'ai appris. Puis je pourrais même passer au milieu. Là, le milieu, je pense que je vais le faire melon mambo. Je pense que ça devrait être mignon. Ouais, donc on a, je me demande si j'ai pas des petits, des bébés lièvres en quelque part sur mon terrain. C'est ça que je me demandais, en fait, là. Quand j'ai un lièvre qui rôde vraiment beaucoup comme ça, là, des fois, je vois des petits bébés. Ça a déjà arrivé. J'en ai même déjà trouvé des morts, là, en dessous de mon. En arrivant chez nous. Les marches d'escalier sont pas fermés encore sur ma véranda, puis
Je pense qu'il y avait un chat. C'était pas mes chats, parce que mes chats ne vont pas dehors. Et il y avait un chat qui avait chassé, malheureusement. Puis, qui m'y avait mis en cadeau bien cordé, là. Trois petits lièvres, un arrière de l'autre. Je trouvais ça tellement triste. J'étais comme, ben voyons, qui m'a mis ça là. C'est pas un cadeau. Moi, je trouve pas que c'est un cadeau. C'est sûr que le petit chat, lui, il devait trouver que c'était un beau cadeau, mais non. J'avais pas trouvé ça. Donc là, je vais venir. Ah, oh, c'est vraiment beau le melon mambo parle. Il est vraiment joli. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Tiens, je vais faire toute la gang en même temps. Tiens, tiens, tiens. Voilà, et je vais revenir avec mon foncé, essayer de les... Je pense que là, je vais devoir étendre avec mon plus pâle. Ça arrive. Tiens, comme ça. Et comme ça, on remonte un peu. Si je fais attention de ne pas remonter jusqu'en haut, parce qu'à chaque fois que je passe avec le crayon, ça vient saturer, ça rajoute de la couleur. Donc, tu sais, si je veux garder des petits endroits plus clairs, il faut que je fasse attention de ne pas monter jusqu'en haut, là. Parce que si je veux rajouter une petite couche d'encre en haut, ben, elle se cumule, puis elle va apparaître plus foncée. Donc, voilà, voilà. Et là, c'est sûr que ceux-là ici, je vais les faire pareil. J'ai pas pensé tantôt, mais... Tiens, je vais les faire de la même façon que ceux-là qui se ressemblent. Voilà. C'est presque fini, mon petit coloriage. C'est ça, normalement, on y va vers l'extérieur, donc ça, la couleur suit. Voilà, voilà. Comme ça ici. Et celui-ci, je pourrais aller dans le flamant fougueux. Hein? Tant qu'à être dans les couleurs. On est aussi bien. Okay. C'est ça, on va y aller comme ça. Après ça, on va aller l'étendre. C'est vraiment... souvent, on me dit... J'ai pas le tour avec les Stamping Blends, mais c'est vraiment faire des tests avant. Hein. Comme là, je me souviens plus que j'ai fait dans le premier, mais tu sais, ça a bien fondu. Donc vraiment, là, on teste, puis à force de tester, puis vu qu'il y a comme pas nécessairement, tu sais, les couleurs, les carnations, ça s'agit pas de la même façon d'une couleur à l'autre, ben, faut vraiment faire des tests. Comme là, je trouve que c'est vraiment pas flagrant, là. Peut-être un petit peu, mais je pense que je vais venir rajouter encore un peu de... Encore un petit peu de foncé. Puis, il y a une autre affaire que j'ai envie de faire. J'aurais peut-être envie d'essayer de rajouter du... Oups là, mon Dieu! Il vient de me lâcher les mains. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça va bien. J'ai un petit bug de Stamping Glass. Excusez, je l'ai mis dans ma bouche, hein, sinon il voulait pas. C'est quand même des vieux marqueurs là, que j'ai. Des fois, je renouve certaines couleurs. Oh boy, là, je viens de perdre ma mienne. Ça va bien, mon affaire. Ça va bien. Mais c'est ça. Là, peut-être que je suis due pour vraiment faire un... Puis tu sais, quand on... Tu sais, j'ai toutes les couleurs, donc tu sais, je les utilise pas tout le temps toutes, mais quand...
quand j'arrive, que j'en ai besoin, puis que là, ils me font ça. Je serais dû pour les tester, peut-être un peu. Mais j'ai quand même. Avant, ils vendaient comme à l'unité. Donc, c'était le fun parce qu'on a tendance à utiliser plus le foncé ou plus le pâle, tout dépendant des personnes. Puis, je m'avais fait des provisions là, de quelles les couleurs j'utilisais le plus. Mais là, je serais dû pour faire un check-up. Qu'est-ce qui me manque? Puis, qu'est-ce que j'ai besoin? Donc, là, ça ici, là. Ça, c'est mon clair. J'ai comme envie peut-être d'essayer de faire un mélange de mes. J'ai aucune idée si ça fonctionnerait. On va laisser. Je vais mettre un petit peu de semi de trèfle ici. Et. Je vais aller essayer de l'allonger avec ça ici, avec mon limonade. Ça fonctionne. Ça fonctionne, mais ça. On dirait que le limonade à côté il rend un peu mon semi-trèfle un peu turquoise. Même si oui, il y a un peu de bleu. On s'entend qu'il y a plus de bleu que de jaune. Vraiment deux verres très, très, très différents, mais je trouve qu'ils se complètent bien. Donc, voilà. Je ne suis pas sûre, en fait. Je vais en rajouter jusqu'au bout. Je ne suis pas sûre de mon mélange. Hein? Ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Donc, voilà, voilà. Donc, j'ai tout ça à découper. Puis là, ben, faut que je me décide pour mes petits bouts. Je suis en train de me demander si je ferais pas tout dans le. En fait, là, à la place d'avoir des cartons, on va faire un test. À la place d'être très, très, très opaque comme ça. Si je me prenais du papier blanc, puis que justement, je viendrais le teindre pour qu'il soit de ma bonne couleur. Si je me trouve une retaille de blanc, très assez grosse. Bon, j'ai ça ici qui va faire. Donc, si j'y vais dans le. Je pourrais même y donner, tu sais, comme un petit. Un petit. C'est mon foncé. Puis je m'en vais avec mon bain à bulles pâle. Et que je. L'allonge comme ça. On va regarder si ça fonctionnerait. Je pense que ça pourrait être un. Oh, bah, il m'en manque un peu, hein. On va monter jusqu'en haut. Voilà. Je pense que ça pourrait être super joli. Faire comme un petit dégradé, finalement. Après ça, il me reste comme deux. Il me reste le dessus. Le dessus. Tantôt, j'avais mis du mystérieuse. On va essayer mystérieuse. Je suis comme pas sûre de où je vais le mettre. Ça va pas bien. En fait, puis je me demande même si je vais pas venir me découper des fleurs à certains endroits. Je pense que ça pourrait vraiment mon. Il la laille. Est-ce que je m'essaye dans le papier direct? Ah, puis j'ai même par contre. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais venir me chercher une bande juste ici aussi, là. Ça pourrait être bien, ça, mais. On dirait qu'il faut que je commence à découper quelque chose
pour voir où je m'en vais avec ça. On dirait que je le sais pas tant que je vais me faire du verre pour me découper des petites feuilles. On va faire un petit peu de limonade. J'aime tellement cette couleur-là. C'est incroyable. Pelaire. Ah, je me suis trompée. Bon. Bon, on va faire le foncé plus haut d'abord. On va vraiment saturer le papier. Après ça, j'en ai mon pâle, essayer de blender ça. Fonctionne super bien. Après ça, on va faire un petit peu de verre. Dans le fond de semi-trèfle, j'ai mon foncé ici. Vraiment, ça, c'est... Puis tu sais, les stamping blends, des fois, c'est une belle façon de... C'est sûr qu'on peut pas... On peut faire un carton complet de 8,5 par 11, mais c'est une belle façon quand même de venir... De venir ajouter de la couleur opaque quand on n'a pas tous les papiers de couleur. Donc... Ça sert vraiment à beaucoup, beaucoup de choses. Sans que j'ai une cliente aussi qui me disait, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle corrige beaucoup de choses avec les stamping blends, là, quand elle est pas, quand elle a manqué son estampage ou elle vient couvrir les côtés, les rebords. Elle aime bien, bien ça, en tout cas. C'est vraiment, il y a vraiment plein de façons, finalement. Puis, je vais essayer de m'en mélanger aussi. Là, je suis partie pas dans le même bord, par contre. Hein. De me faire un petit mélange de... semis de trèfle et de... c'est une drôle de couleur. C'est une drôle de couleur, mais le pire, c'est qu'un coup découpé, ça va peut-être être super joli. Hein? Oh, regardez que ça a fait. Ça a comme marqué. C'est bien drôle, ça. Ça a comme marqué. Juste en laissant ça là, ça a fait des traces. Wow! Mon Dieu, je vais mettre d'autres découpes. Je vais en mettre partout, tu sais. Ça va faire des petites marques sur mes découpes. C'est bien fun. Ça va rajouter un peu de... Finalement, quand c'est encore humide, tiens, je viens de développer une petite technique. Hein? Voilà. Une nouvelle petite technique. Pourquoi pas. Après ça, là, j'ai pas de mystérieuse brume. J'aurai pas le choix d'en mettre. Hein? J'ai pas le choix. C'est sur la liste. Il faut, ça, comme ça ici, on va y aller. Puis du Copacabana, ben, j'en ai pas. Donc là, ça, c'est sûr et certain que je vais y aller avec mon seau du plongeoir. Mais je vais prendre le plus pâle, au moins. Au moins. Je vais avoir fait un joyeux bordel dans mon atelier. C'est merveilleux. On aime ça. Puis de faire ça, là, ça me donne des idées de, tu sais, tout le reste, on dirait. Je trouve ça quand même inspirant. Je regarde ça, puis je me dis, bon, on pourrait très, très bien, là, après ça, s'amuser avec, venir faire mes autres parties de ma cabane avec telle ou telle chose. Ça fait une drôle de couleur, comme je dirais. On va peut-être venir aussi avec du... Je pense que mon piscine parfait foncé ferait bien. Puis quand je veux pâlir mon... Je m'en ai beaucoup servi, hein, des mystérieuses brumes. Mes dernières cartes, là, avec...
avec cette collection-là, finalement, ben, le bleu bohème avec le Mystérieuse Brume fait quand même vraiment bien. Regardez, je peux vraiment venir. C'est comme. C'est un peu comme si j'avais aquarellé mon Mystérieuse Brume. Donc là, je pense qu'on va aller essayer de découper un peu une coupe de trucs. Ça va nous ennuyer pour la suite. Donc, je vais essayer de découper ceci. Oups. Qui ne veulent pas. Ils veulent pas exactement être à un endroit précis, finalement. Hein? On dirait qu'ils sont révoltés. Ah, ok. Donc, ça, ici, des petites feuilles, je peux m'en mettre. Alors. Et je peux essayer de découper mes petits oiseaux puis tout ça aussi. Cette grosse fleur-là, je peux la découper. Petit oiseau. Elle ici, j'aurais pas le choix de la découper à la main. On s'entend là. J'aurais peut-être pu la découper en premier puis l'étamper de l'autre côté. Mais ça, honnêtement, là, c'est un peu. Un peu difficile. Donc, je vais aller avec ça. Je vais essayer de découper ça. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va me. Je pense que quand on va commencer à ajouter des pièces, là, ça va se placer un peu plus, en tout cas dans ma tête. Bon. Il y a quoi qui se passe proche de chez nous? Si vous n'entendez pas, hein, mais je sais pas. C'est comme un bruit. Hein. Un drôle de bruit. Voilà, je pense que mes fleurs ont bougé. Ah là là. Quand tu essaies d'aller vite, des fois, c'est encore pire. Non, mais ma fleur, j'aurais pas le choix d'y mettre un petit morceau de post-it ou quelque chose parce que ils veulent vraiment, vraiment pas. J'ai hâte de voir un peu de comment ça s'enligne tout ça. Oh wow! Oh, wow, wow, wow! J'ai des belles pièces, mesdames! J'ai vraiment des belles pièces. Ça, tu sais, ça va venir comme ici, à peu près. Wow! J'ai quelques feuilles aussi qui n'ont pas voulu décoller. Ça arrive souvent. Là, c'est le fun parce que mes petites feuilles qui s'en viennent, justement, puis j'ai une petite fleur plus mystérieuse. Ça va me donner une idée si c'est pas foufou là, l'idée de. Je savais que je m'ennuyais pour un pas pire défi en tout cas. Je m'en doutais bien. Je m'en doutais vraiment bien. J'avais un feeling que en prenant cette collection-là, ça allait être un petit peu plus complexe. C'est beau quand même, là. Ça ici. C'est juste, je ne sais pas si je vais pas avoir de la difficulté à utiliser les feuilles tempées comme ça, plus tout, finalement. On va regarder ça. Donc, je continue à découper. J'espère que vous faites autre chose en me regardant. C'est là qui me regarde en direct, là, pendant que je découpe. Hein? J'imagine qu'il y a des petits temps un peu plus que vous êtes occupés à faire aujourd'hui. J'espère, en tout cas, parce que je sais que
Je sais que ça doit être un peu long. Je sais pas où je m'en vais en plus, mon Dieu. Bon, on va nous refaire des belles feuilles. Belles fleurs, des belles feuilles. Je vais me décrire un petit oiseau. J'ai l'impression que ça va me guider un peu. Je suis en train de me demander mes petits oiseaux si je les aurais pas étampés avec de la couleur, en fait. Ça aurait donné, ça serait peut-être ma façon d'amener justement du mystérieux brume, de venir l'étamper en mystérieuse brume, puis de le colorer, là. Ça me donnerait vraiment un beau résultat, je pense. Je vais voir comment ça s'enligne. Puis, il y a une autre chose moi, qui m'aide des fois, quand je suis pas sûre de qu'est-ce que je suis en train de faire, c'est de me prendre une base blanche, ou au moins un morceau blanc, là, de standard, puis de mettre ça là-dessus. Ça vient vraiment me donner une idée, là. Si je m'en vais avec ça, tu sais. Que sur mon fond, qui est pas super beau. Je suis comme vraiment pas sûre de mon affaire. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Si je me mets des fleurs de chaque côté. Non, je suis pas sûre, mon Dieu. Hélalaïe. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Faut que je trouve une solution. Faut que je trouve. C'est beau les couleurs, mais je suis comme pas sûre. C'est peut-être parce qu'il manque des choses aussi, là. Ça se peut que c'est juste ça qui me fatigue l'œil un peu. Mais j'ai l'impression que mes petits oiseaux viennent un peu. En fait, tout ce qui est coloré, j'ai l'impression que si j'étais. Tu sais, tout ce qui a un contour noir, j'aime pas l'effet que ça fait. Je ne sais pas pourquoi exactement. Non, j'aime pas ça. Ça serait beau ailleurs, là. Ça fit ailleurs, mais j'ai l'impression qu'ici, ça fit un peu moins. Fouillez-moi pourquoi. Mettons que je le mets en arrière. Là. Ah, lui, il est pas si pire. Lui, il est pas si pire, mais il y a un clash vraiment là, avec toutes ces couleurs-là. Ça fonctionne plus ou moins. Bien honnêtement. En tout cas, à mon goût, à moi, il y a quelque chose qui me chicote. Ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bon, moi je le sais, là, je voyais quelque chose dans ma tête. C'était super beau. En tout cas, les couleurs ensemble. Mais je le sais que je peux pas mettre ça tout intensément. Là. C'est vraiment par petite dose. Petite dose. Bon, qu'est-ce que... Est-ce que j'ai des fleurs? Oui, j'ai des fleurs roses pour me donner une petite idée. Bon, faut juste que j'avance. Faut juste que j'essaye des choses. Hein? Des fois, c'est ça que ça fait. Ici, quelle couleur que je pourrais... Je sais pas, je vais essayer quelque chose. Je pense que je vais l'essayer. Tu sais, ma base puis mon top, là, je vais l'essayer dans le... Dans le papier design aussi, mais je vais le laisser comme naturel, celui-là. Mais tu sais, le fait qu'il va être comme en. Si je le mets en 3D ou quelque chose comme ça, là, je pense que ça pourrait fonctionner. Donc, celui-là, puis mon plus gros, peut-être. Mon plus gros, ça pourrait fonctionner. On va essayer ça. Puis après ça, qu'est-ce qui va me manquer? Il me manque pas mal de choses. Il me manque pas mal de choses. Mais j'ai l'impression que juste ça, ça va aider un petit peu. Juste d'habiller ma cabane. J'aurais dû commencer par ma cabane. Hein? Des fois, on
pense pas à... Je vais me découper tout ça, là. Je vais aller me découper des cabanes, puis peut-être d'autres petites fleurs en même temps, puis des feuilles sur. Qu'est-ce qui me reste? Comme ça. Twister ça. Comme ceci. Ça ici, ceux-là, j'aimerais bien essayer de m'en découper aussi. Comme ça. J'ai plus beaucoup de couleurs en fait pour me découper. J'ai plus beaucoup de papier sur mes morceaux que j'avais mis en couleur. D'accord. Bon. On essaie des choses. Et admettons que je veux faire du jeu. Okay, je pense que juste ça, là, ça va vraiment être aidant d'avoir un peu plus un toit, quelque chose qui ressemble à un toit. Okay. On veut mettre beaucoup de blanc, mais des fois c'est bien de se laisser un peu de blanc, un peu de nature aussi. Bon, premier. Et voilà. Mes petites feuilles là sont dures. Ah, ben il faut aller les chercher. Faut que j'aille les chercher. Bon, ok, on l'a. Puis il me semble que j'avais envie d'une belle fleur bleue ici, que j'ai une rose, ça va me donner des idées, voir si c'est raisonnable ce que je fais là. Si. Donc, si je me ramène un petit doigt comme ça, tu sais, ça fait déjà un peu plus de sens. Tant qu'à moi. J'ai l'impression, en tout cas. J'ai l'impression. Puis là, ouais, c'est comme... J'essaie de regarder eux autres comment ils l'ont monté. C'est comme en dessous, finalement, là, ma... Celle-là ici, elle est en dessous. Puis après ça, c'est comme monté par-dessus. Ça fait du sens. Ça ici, ça a bien de l'allure. C'est juste tout rajouter mes autres couleurs après ça. Mais mes autres couleurs, en fait, il me manque quasiment juste du... Je vais peut-être y aller avec les bras, ça se tombe. Si vraiment là, j'ai trop de difficultés avec mes stamping blends, peut-être que c'est foncé beaucoup aussi. Mais je pense que juste avec mes bras, ça se tombe, ça serait correct. Je me ferai quelque chose de plus pâle, plus délicat. Puis ça ici, mais je suis embêtée. Je suis embêtée beaucoup, beaucoup. Puis mon petit oiseau, ben c'est sûr que si l'autre n'est pas là, c'est quand même dommage. Moi, j'ai de la misère. Beaucoup de travail, cette cabane, mais hein, ça n'a pas de bon sens, mon affaire. Je le savais, hein, je l'ai dit au départ que je m'ennuyais pour un défi, là, si je me lançais là-dedans. J'avais comme un feeling, puis ça a bien de l'air que... Ça a bien de l'air que je file les défis. Faut croire qu'une fois par mois, là,
C'est peut-être pas assez. Ça fait que quand je rentre en live, ben, j'ai vraiment envie de défi. Donc là, je vais essayer de tremper ça, pouvoir gaufrer ça. Ça va être fait aussi. Bon, on y va avec du Versamark cette fois-là. Là, je l'ai fait là-dessus, mais tu sais, je me demande, je devrais-tu? Je devrais attendre, hein? Vous en pensez? Je vais me faire une feuille avec mes bras s'estompent. Puis je pense que ça va être plus facile après ça de prendre des décisions, finalement. Donc. Puis au moins que les bras s'estompent, ben, j'ai pas besoin de tricher. J'ai vraiment. Toutes les couleurs. Est-ce que j'ai. Ben, j'ai toutes les couleurs. J'ai les couleurs. J'ai mes couleurs de. Tiens, ça, je pense que ça ressemble à du lueur estivale. J'ai tous mes tampons en croix. C'est ça que je voulais dire. Donc, au moins, ça. C'est facile. Et là là, je pense qu'il y avait du. Je sais pas c'était quoi. Je pense qu'il y avait du blé sauvage là-dedans. Je vais regarder si j'ai des. Si j'en ai des propres. J'en ai une coupe de. J'en ai des propres, mon Dieu. J'en ai des flambes en oeuvre. Des fois, on est dû pour les nettoyer finalement. Donc, ah. Pas mal plus délicat comme ça. Puis mon petit oiseau, ben, j'étais encore en réflexion à savoir qu'est-ce que je fais. On dirait que je l'aime moins, là, celui-là ici. Hein. Ça arrive, hein, des fois, qu'on n'est pas satisfait de quelque chose qu'on a fait. Ben, faut soit l'assumer ou faut. Faut le changer, c'est au chaud. Donc, je vais être capable de peut-être me faire un petit mix entre les deux, là. Tiens, comme ceci. Après ça, ben là, c'est le fun, mon Copacabana. Je vais vraiment être capable aussi d'aller chercher la bonne couleur, Copacabana. Ça va être vraiment plus. On va être vraiment plus dans la bonne palette. Tiens. Copacabana, j'en mettrai pas plus que ça parce qu'il me reste quand même quelques couleurs à aller chercher. Après ça, j'ai du mystérieuse brume que je peux aller. Je pense que j'ai exactement un tout petit ici là, que je pense qu'il est peut-être propre en fait. Je vais essayer de graduer puis peut-être m'en aller dans le Copacabana. Pourquoi pas? OK. Et. J'ai l'impression que je vais peut-être finir avec. Quand est-ce que j'ai fait ça? Ma technique, là, que je rajoute des gouttes d'eau puis tout ça, ça donne un beau résultat aussi. C'est sûr qu'ici, je peux rajouter des gouttelettes. Puis même elle, là, j'arrête pas de chialer, mais si. Il y a peut-être moyen de la. De donner un petit look un peu plus délicat, hein? Si je suis pas contente. Là, dans le fond, il me reste juste mes roses. Puis là, je pense que. Je me demande si j'essaierai pas de. Je suis embêtée encore. J'essaierais-tu d'en faire ailleurs parce que.
si jamais je veux me refaire comme un petit truc là, tu sais, pour mes fleurs, ça c'est bien. Mais je pense que j'ai pas une grosse surface. Ça non plus, pas assez gros, hein, pour le tout petit, non. Ah, c'est juste. Ok, ça c'est bon. On peut le faire avec ça. Tu sais, des fois, quand on fait de la brosse estompe comme ça, notre papier qui est en dessous devient un peu saturé de couleur. Puis, c'est assez pour aller chercher de la couleur, puis en rajouter à ce qu'on fait là. Donc, il faut quand même être prudent. Comme ça ici. Et nous reste deux couleurs comme ça. Ça, c'est quand même délicat la différence. Ah ben non, on a une belle variation. Ouais, je pense que ça va être plus facile. Puis là, je trouve ça tellement cute que j'aurais quasiment envie de faire un fond aussi peut-être, puis venir la mettre dans un espèce de cadre. Je sais pas, ça serait-tu trop gros pour un cadre? C'est peut-être une façon de tout avoir mes couleurs. Bref, je garde ça en questionnement dans ma tête. Puis là, j'ai aucun melon mambo encore. On va s'en mettre, on va juste en rajouter un petit peu, je pense. On va être bien, bien beau. Tiens, direct avec la brosse, donc je ne pourrai pas revenir en arrière. Oh, wow. Je vais foncer un petit peu là. Dire que j'ai vraiment les deux tons. Puis là, oui, je pense que pour m'aider, là, des fois ça me fait ça, je vais venir mettre des petites gouttes partout, puis ça va m'aider. Ça n'a pas de bon sens, ça fait longtemps que j'avais pas hésité. C'est quand est-ce? Attends, je dis ça, mais c'est vrai, le... Mon projet de l'accent, j'ai eu de la misère le dernier mois. Là. J'ai vraiment commencé des choses, recommencé. J'ai beaucoup, beaucoup hésité. Donc, bref, ça arrive. Hein? Ça arrive des fois qu'on est moins sûr de ce qu'on fait là. Puis là. Oh, savez-vous ce que j'ai fait, je pense? Oh non. J'ai l'impression que j'ai utilisé mon pinceau pour aquarelle. Mon bon pour faire... Non, pour faire des gouttes bien normales l'autre fois. Et là, je vous dis, ça, c'est vraiment dommage parce que je ne serais plus capable. Après moi, il va être bouché. Donc, hein, tant pis, il fallait que je regarde mes choses comme il faut. Je vais me mettre un peu d'eau. Je vais y aller avec mon, directement avec ma gourde des fois. Là, je fais semblant de la mordre. Hein, ça marche. Marche tout le temps. Je la mords, mais avec mes doigts. Bon, puis on va y aller. Il va y avoir un peu de blanc, mais c'est pas grave. Puis, je vais... Ah oui, il y a pas mal de blanc. Hein. Donc, avant d'aller faire mes découpes, je vais tout de suite là, travailler le papier. Il va avoir une belle texture. Partout. Je sais pas si vous autres ça fait ça, mais moi quand je fais ça, j'en ai sur mon gilet, j'en ai vraiment partout. Là-dessus, faudrait quasiment que je le fasse, mais avec de l'alcool pour que ça réagisse un peu si je veux. Ben ça aussi, même en fait. Sauf que j'ai un peu peur pour mes,
laisser quand même. Là, c'est sûr que c'est vraiment un test. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir enlever aussi. Non, ça paraît pas beaucoup. Ça le pâlit, là, par contre. Je pense que je vais essayer carrément d'enlever une couche, mais vu que c'est avec les stamping blends, j'ai l'impression que je vais avoir de la difficulté. J'ai l'impression que je l'aurais plus aimé si ça avait été plus pâle, un peu. On pourrait essayer avec les... avec mes... voyons, je vais te le dire. Avec mon stamping blend, mais le nuanceur, en fait. Si je le... Oui, je le trouve. Parfait. Je vais essayer de passer. On dirait qu'il y a quelque chose qui me... Oh, Boba, il est beau en plus. Hein. On dirait qu'il était prêt. il savait qu'il allait servir aujourd'hui. Donc ça, le nuanceur, là, faut le laisser agir un peu parce qu'il est... Là, je l'ai vraiment usé. Je pense qu'il n'a pas aimé ça. Il n'a pas aimé son expérience. J'ai normalement, j'ai des petits flacons comme ça, moi, que je me garde, qu'il y a de l'alcool dedans. Donc, je peux vraiment me mettre de l'alcool comme ça. Puis, je peux venir essayer d'en mettre. Je ne sais pas ce que ça va donner. Par exemple, tu sais, c'est sûr que mon... Ça ne donne rien partout. C'est sûr que mon carton, il est déjà... On s'entend, là? Il est déjà plein de textures, là. C'est du papier design effet bois. Donc, ça vaut-tu vraiment la peine? Poser la question, c'est un peu y répondre. Mais par contre, mes petites gouttes que je vais mettre... Ici, j'ai un flacon avec de l'eau. Ça aussi, je peux mettre de l'eau. Mes petites gouttes de... Cherchons bien mes mots. Mes gouttes d'encre craft blanche. Ça ici, je peux venir en mettre. Ça, je vais vraiment en mettre partout. J'ai l'impression que des fois, ça... Comment je pourrais dire? Ça vient comme pas lié, mais ça vient créer un lien. C'est un peu ça, finalement, entre tous mes morceaux. Tu sais, quand je suis semi-satisfaite, là. Tu sais, ici, tu sais, c'est correct. C'est pas beaucoup, mais c'est super cute. Puis des fois, tu sais, on peut le faire à la fin, mais par contre, des fois, à la fin, on veut garder des parties intactes quand même. Donc, de le faire là, avant. Ça permet des fois de... Je me dis que celui-là ici, je vais essayer d'en enlever une petite couche. Mais que... Je vais peut-être réussir à faire de quoi que j'aime avec. Qui sait, hein? À force de donner de la misère. OK, je vais le laisser là. Finalement, là, je trouve qu'il commence à fitter. Hein? On va finir par être contente. Puis là, je vais en remettre. Tantôt, ça a vraiment plus agi comme des gouttes d'eau, finalement, qui viennent un peu enlever de la texture. Donc là, je peux... Ça, je pourrais même... En même temps, bon non, je m'en servira pas, là, j'ai déjà... Je pense que je vais déjà avoir assez de stock. Mon Dieu, cette vidéo-là, là, je pourrais, mais que... D'habitude, je le mets sur YouTube, vraiment juste pour mes clientes, par infolettre. Mais peut-être que vous le savez, là, si vous êtes abonné à l'infolettre. Je pourrais le couper. Je pourrais couper un bout. Un bout de mon temps. Je vais me remettre un peu d'encre, comme c'est ici. Puis je le sais que si j'avais utilisé ma première idée, oui, ça aurait vraiment été facile. C'est fou, hein? Comment que des fois, les filles, on est de même. Les femmes, on aime ça se donner de la misère. Des fois, quand c'est trop facile, on n'y va pas. Je sais pas si vous êtes comme moi, là, mais j'aime ça. Ou pas là. J'aime ça me mettre au défi. Voyons, j'arrête pas de tout briser, moi, aujourd'hui. Ou pas là. Parlant de briser, là, je me promène en camion ces jours-ci parce que
mon pare-brise sur mon véhicule, sur mon auto électrique. J'aime tellement me promener avec ça. T'sais, ça se conduit vraiment, là, vraiment toute seule. Là. Il y a comme un mode. Ben, ça se conduit pas toute seule. C'est pas vrai. Là. Je peux pas dire, viens me porter chez nous. T'sais, il fera pas les. Il tournera pas les croches pis ça, mais c'est vraiment. Il y a un mode assistance de conduite, puis c'est vraiment très, très fiable. Il y a quelques. Tu sais, il faut que tu gardes les mains proches du volant, mais il y a ça, puis il y a le fait, dans le fond, surtout que ça me coûte pas de gaz. Hein. Ça me coûte de l'électricité, mais ça se compare pas avec le prix du gaz, surtout ces temps-ci. Mais là, c'est ça, mon pare-brise. J'ai reçu une rush l'autre fois, puis j'ai cherché, j'avais pas trouvé d'impact. Puis finalement, je l'ai trouvé l'impact. Elle est pas pire. Elle est pas pire pantoute. Fait qu'il y a un gros. J'ai oublié d'en mettre ici. Bon. Il y a vraiment un gros impact, là. Mais je pense pas que c'est un gros impact sur le coup. Je pense que ça grossit. Je l'avais cherché, je l'ai pas vu. Puis là, vraiment, pendant que je conduisais, ça a apparu dans mon champ de vision une grande, grande craque. Donc, ça peut pas avoir arrivé cette journée-là, parce que c'était vraiment. Il n'y avait personne devant moi. C'était super calme. Je me promenais, j'arrivais de la crème molle, j'avais du monde avec moi, même eux autres, ils ont comme fait. Tu sais, puis on ne l'a pas entendu, mais ça a comme apparu d'un coup. C'est drôle. Des fois, la vie. Donc là, je vais chauffer un petit peu pour. Ouh, ça a l'air. Pour être capable d'aller découper quelque chose, là, parce que là. C'est sûr que tout de suite, là, regardez, j'en ai plein, c'est mort. Tout de suite, ça va être dur d'aller chauffer ça. C'est vraiment beau, là. Ça donne souvent, là, quand je fais de la brosse estompe, je regarde Hélène avec qui je travaille, comment qu'elle va délicatement, c'est toujours beau. Je pense que c'est ça le secret aussi. Moi, des fois, ça a juste l'air de grosses taches, mais quand je viens rajouter de la texture, finalement, c'est super beau. Donc, finalement, là, il n'y a pas de bonne façon, finalement. C'est un peu ça, la morale, là. Puis là, ben, c'est sûr que ça va se promener. Comme ça. Je me demande vraiment si vous avez ici. Non, ça serait un petit peu intense, mais bon. On va vraiment finir par faire de quoi. Des fois, c'est juste de trouver comme il faut son idée, là, puis ça y va. J'aurais même pu aller fouiller dans l'autre lot pour aller me chercher du feuillage. Il y a tellement de beaux feuillages. Je vais peut-être aller me chercher des feuilles blanches. J'en ai déjà découpé, ils sont juste à côté de moi. J'aurai pas besoin de. Mais je voulais éviter de rajouter plus de choses. Mais bon, des fois il faut ce qu'il faut. Hein? Bon, donc là, je pense que c'est pas sec, mais écoutez, ça va être ça. Ça va être correct quand même. Et je vais aller me découper, dans le fond, mon petit couvert. Puis, faudrait que je me découpe aussi un autre, une petite bande, mais je sais pas dans quoi la découper. Celle-là ici. Je me demande est-ce qu'elle pourrait. Elle pourrait être dans du verre. De toute façon, là, elle prend presque pas de place. Mettons, j'ai fait. Ici. Je suis pas sûre. Ah, je pourrais la mettre dans le coin comme ça. Elle va presque juste être limonade. Tiens, voilà. C'est vendu. Donc, je m'en vais découper. Je vous montre ça au fur et à mesure. Je pense qu'on va avoir quelque chose qui fait du sens assez rapidement. Assez rapidement. Donc ça ici.
ici. Et là, vraiment, on se découpe plein de belles fleurs, de belles feuilles, vraiment de tout. De tout. Normalement, j'ai 4 feuilles. Bon, on l'a. Des fois, ils veulent. Ils bougent un peu. J'aurais pas en faire en même temps. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Oh wow. Là, je pense qu'on a quelque chose d'un peu plus qui fait un peu plus de sens. Sinon, j'abandonne. Ça serait pas drôle, hein, que finalement j'abandonne en plein en plein live, que je dis bon, ça y est, c'est fini. Ben j'abandonne. J'abandonne ce bricolage-là, ça m'abandonne pas pour de bon, hein? Voyons. Voyons, je ferai pas ça, mais ça m'arrive des fois. Là, ça m'a de... c'est pas le premier live que je rush un peu, puis que je sais pas trop où je m'en vais, puis que finalement ça se passe pas comme que je veux, que mon idée que j'avais en tête était pas si bonne que ça. Ça a déjà arrivé, mais bon, hein? Je pense que ça a déjà arrivé que je finisse des projets. Pas avec vous autres en live, mais normalement. Hein. Normalement, ça a l'air de quelque chose quand même. Hein. Puis là, ça n'a pas l'air de grand chose. Peut-être par contre que je ferai pas en live, mais je ferai un. Ou peut-être, en tout cas, si j'ai du temps. Peut-être que je ferai quelque chose avec ma première idée pour vous montrer où ça je pensais m'en aller là, au départ. Que c'était une super de bonne idée au début, mais que des fois, c'est bon d'écouter sa première, hein, sa première idée, là, souvent, c'est la meilleure, mais des fois, on se laisse emballer par autre chose. Bon, là, je vais vous montrer. Je sais que ça s'en va. Voilà. La petite bande est vraiment belle, elle a vraiment tombé dans le limonade. Je pense que ça va être bon. Regardez les fleurs. J'ai vraiment des fleurs plus pâles. Donc, le mélange de couleurs va probablement un peu mieux se faire, je pense. Je vais revenir sur mon blanc tantôt, mais que ça fasse plus de sens. Mais bon, je pense qu'on a quelque chose d'un... un peu plus, un peu moins foncé, là, ça vient vraiment aider. Donc, je vais faire un deuxième coup de machine. Puis, je peux même aller dans mélanger mes roses avec mes bleus, avec le Copacabana, là, c'est super joli. Donc, il y a vraiment quelque chose. Mais là, c'est vraiment les petites découpes qui ne veulent pas sortir toutes seules. Par contre, c'est pas la fin du monde, là, mais... des fois, on est habitué que ça sorte, là. Faut travailler un petit peu plus. Wow. OK. Des fois, quand je les laisse tomber, ils sortent, mais là, ils sont vraiment plus tenaces, on veut, là. Je pense que je vais commencer avec ça après ça, puis
Je verrai en cours de route si j'ai besoin de d'autres choses. Je reviendrai par ici. OK. Donc, on va essayer de commencer à assembler. Là, c'est sûr que ça ici, je remets ça l'étampé. Mais je pense que je vais garder ça pour une prochaine fois. Donc ça, ici, je vais venir la coller directement avec la colle liquide. Je pense aussi que le fait que j'ai pas mis toutes les couleurs sur ma cabane, ça vient un peu limiter, mais tu sais, à un moment donné, elle était pas... Elle est grosse comme elle est grosse, là. Je peux pas trop en mettre non plus. Puis là, ça ici, j'aimerais ça le mettre avec des pop-up tantôt. Fait que celle-là, je vais venir la coller. Vraiment, ça vient se coller par-dessus. C'est vraiment cute. En tout cas, c'est vraiment là, un très beau kit. Je pense pas que c'est le kit, c'est la palette, finalement. La palette que j'utilise avec cette kit-là qui fait que c'est difficile. Puis je suis à peu près sûre que je me reprendrai. Là. Peut-être que je me reprendrai la semaine prochaine. Je vais regarder si ça fit dans mon horaire. Il y a la fête à ma fille qui s'en vient aussi. Puis là, faut. Au début, elle m'avait dit qu'elle voulait une thématique de pâte patrouille, hein? Pour faire bien original. Puis là, finalement, elle a changé d'idée, madame. Elle a peut-être changé d'idée en voyant une robe de l'été passé de licorne qui y fait encore. Elle voudrait peut-être des licornes. Mais tu sais, je me dis, est-ce qu'on garde licorne? Elle va aimer encore les licornes l'année prochaine. Patrouille, c'est peut-être sa dernière fête qu'elle va aimer ça. Qui sait? Fait que je suis un peu embêtée. Bref, je vais tomber dans un bricolage. Soit de pâte patrouille ou soit de licorne. Bientôt. En fait, faut vraiment que je m'y mette. Ça arrive vite. Elle va avoir 4 ans. Là, c'est ici. Je vais venir le coller tout de suite. Ça va m'aider, j'ai l'impression, juste à visualiser finalement là, tout ce qui se sent bien. Donc, puis je le mets avec des pop-up, comme ça, avec des pop-up, avec des stampings dimensionnels, comme ça, a vraiment l'air comme... L'oiseau, il a vraiment l'air à l'intérieur. Puis ça, ici, je vais venir le coller aussi avec des points de mousse. Mais là, gars, je vais prendre des bandes comme ça. Ça va vraiment être juste parfait. J'en ai plein, qui se décollent un peu. Comme ça, ici. Allez, je me suis bien beurré les doigts, en tout cas. Je vous dis. C'est bien, par contre, ça part assez facilement à l'eau. Une chance. Sinon, ça serait pas chic, mon affaire. Tu sais, je regarde juste mon papier brouillon en dessous, puis je trouve ça super beau, le mélange des couleurs. C'est vraiment fou que... Je pense qu'il aurait fallu que j'en mette, comme... J'ai l'impression que ma cabane, c'est un peu la base, puis vu que j'en ai pas mis là, ça... Pourtant... Ta maison a beau être n'importe quelle couleur, tu mets des fleurs d'une couleur à côté, ça peut pas être pas beau, là. Même si ça fit pas que la maison, nécessairement, des fleurs, c'est des fleurs. C'est supposé être beau. Mais c'est peut-être plus l'intensité là, de la couleur, je crois, qui jouerait un petit peu. En tout cas, à mon goût, à moi, là, je sais que... Si je mets ça comme ça, j'ai un beau début de cabane, en tout cas. Puis là, mon gros bout, je sais pas, il est ici. Celui-là aussi, je pourrais venir le mettre. Ça viendrait un peu... Ça viendrait un peu baliser. Mettre des balises, là, ça m'aiderait. Donc, je vais venir le mettre aussi avec des points de mousse.
des petits points de mousse comme ça ici. Donc, voilà. C'est mon petit oiseau, là, finalement, il est pas si pire. Je vais le mettre ici comme ça. Lui, je vais juste venir remarquer que je peux le mettre avec un point de mousse aussi, mais finalement, il va venir se coller juste là, comme ça. Tiens, ils sont en train de jaser ensemble. Putain, ça commence à faire du sens. Bon, donc là, faut juste décider qu'est-ce qu'on fait avec ça. Est-ce qu'on... Ah oui, c'est beau. C'est beau. C'est juste quand je rajoute mes fleurs que je suis jamais sûre de rien. Mais bon, on va l'avoir. Donc là, tu sais, je peux m'en mettre un peu. Je peux faire comme que je veux. En fait, hein, on s'entend que... Mais j'aime bien le fait qu'il y en ait comme de chaque côté là, qui sortent. C'est sûr que là, je peux pas... Ça aurait pu être comme des lianes là, qui montent sur la maison. C'est vraiment mignon. Mais je peux pas en mettre autant. Tu sais, vu la largeur, si je fais une carte standard, il faut quand même que je me calme. Hein, je ne pourrai pas tout faire. Et tantôt, je parlais peut-être de faire une espèce de petit cadre, mais ouais, c'est ça. Elle va comme. Elle déborderait là, si je la ferais là-dedans. La seule solution, ça serait d'utiliser en fait la retaille. Il faudrait que je m'en fasse un autre. Puis ça se peut que je ne serais pas dans une carte standard. Mais ma retaille. Ça pourrait fonctionner. Dans le fond, ça serait cette grosseur-là. T'sais, si je la découpe là-dedans, ouais, c'est vraiment délicat. En fait, quand je fais ça, on va faire des petits tests. T'sais, ça pourrait être beau, c'est trop. C'est pas laid, le pire. Tain. J'en ai rajouté du... C'est pas laid du tout, ça, le pire, je trouve. C'est fou, hein? C'est très contrastant, mais avec un contour blanc, je trouve ça quand même joli. Mais, c'est ça. Est-ce qu'on y va pour un petit contour que je pourrais venir le découper dans ça ici? Puis, dans le fond, je peux venir faire soit la cabane, je peux la laisser dans le vide comme ça, mais je peux y faire un petit terme avec ça ici. Ou soit je peux l'accrocher avec une boucle ou je pourrais même prendre un vrai ruban là, rendu là. C'est vraiment au choix, mais ça, c'est cute quand même. Donc, il y a vraiment encore beaucoup d'options. Puis c'est sûr qu'en arrière-plan, je pourrais essayer de me faire un petit fond. Soit c'est ça, soit que je vais vraiment avec du bois encore. Mais on pourrait essayer de faire de quoi qui inspire un peu plus la nature. Là. Puis venir... Mais j'ai l'impression que ça fit. C'est ça qui est fou. C'est que si j'ai un contour, c'est pas laid. C'est vraiment pas laid. Ou, je pourrais peut-être étamper mon vœu là-dessus. Ouais, je pense que ça va être ça. Je vais étamper mon vœu, ça va venir vraiment créer un contraste. De toute façon, moi j'aime ça quand que mon vœu est vraiment contrastant. Donc, là tantôt je vous disais peut-être que je peux m'ajouter des petites feuilles blanches si j'en ai. J'ai peut-être des tout petites de l'autre lot. C'est sûr j'aime ça. J'essaie de pas faire ça. J'essaie. C'est pas vrai là, quand je fais des créations comme ça, je le fais à chaque fois. D'essayer de pas trop vous montrer plein d'affaires en même temps. Là. Il y a trop de produits, hein. J'essaie de me limiter, mais j'essaie pas fort finalement. On va. Attendez, je l'ai presse. Ouais, je vais me faire un fond encore, mais tu sais, je vais y aller plus. Je vais me faire un fond. Est-ce que je me découpe un grand carré pour me faire... Tu sais, on s'entend que ça va être vraiment délicat comme fenêtre si je le fais. Si je fais ça, là, ça va être trop limite. Puis dans le fond, j'ai pas vraiment d'autres fenêtres là, qui feraient vite assez grandes.
assez grande pour moi. Non. On va laisser. Je trouve ça plate de laisser faire la fenêtre. Sinon, mais celle-là, c'est que elle embarque carrément par-dessus. Elle peut, là, par contre. Elle pourrait embarquer par-dessus, mais bon. Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, une carte que la fenêtre embarque par-dessus? Oh là là, c'est bien dur, cette création-là. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, j'ai mis... J'ai ceux-là aussi, mais ceux-là, je les trouve qu'en fenêtre, là, sont bizarres un petit peu. Moi, là, je trouve, mais par contre, ça me permettrait vraiment d'avoir toute ma cabane dans la fenêtre. Mais je trouve que c'est une drôle de fenêtre. Mais sinon, je trouve que c'est un bel arrière-plan aussi, mais... Faut que je me branche. Je m'ennuie de mes surpiqûres, mes rectangles surpiqués. Ah, ça existe encore, hein? Mais c'est encore bizarre, d'après moi. C'est-tu bizarre, ouais? Tu sais, c'est trop des formes. C'est trop pas pareil. C'est trop pas pareil. OK, on va tenter les grands. Qu'est-ce que je vais faire, là, ma fenêtre? Je vais essayer de la redécouper, de l'agrandir, mais ça va-tu marcher? Ça marcherait-tu? Et la laine, je vous dis, vous devez être découragé. Je vais vous dire, il faudrait qu'elle se branche, mon Dieu. Non, là, je suis vraiment pas décidée. Ça n'a plus de bon sens. Puis, j'ai l'impression que si j'essaie, ben, écoute, ce que je vais faire, là. Ouais. Je vais prendre celle-là. That's it. That's it, that's all. Puis, je vais la faire. Je vais la mettre. Elle va comme déborder. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Parce que là, elle rentre pas à l'intérieur. C'est plat, mais c'est la vie. Parce que si je regarde, là, j'ai vraiment rien qui pourrait faire une aussi grande fenêtre. À part les... j'ai une commande, si elle est arrivée, ça aurait pu faire avec les agrumes. Là, il y a un beau bocal, j'aurais pu essayer de le modifier. Mais non, c'est pas rentré. Ça n'est pas rentré. Ça aurait-tu l'air fou? Vous autres, vous en pensez quoi de ça? T'sais, j'aurais pu même faire en découper comme deux, mais je trouve que c'est trop festonné. Puis dans les poinçons, tout ça, c'est ça, je pense qu'on a pu. Il y a beaucoup de choses qu'on a pu écouter. Oh! Je suis pas branchée. Ça n'a pas de bon sens, mon enfant. Ça n'a pas de bon sens. Mais ça, j'haïs pas. C'est drôle, hein? C'est drôle que j'ai bretté de même pour ajouter tantôt du... Puis que là, je regarde ça, puis je trouve ça beau. Ça a l'air que je suis de même, hein? Écoutez, que voulez-vous? Que voulez-vous? Donc, ça ici, ça monterait. Je vais comme essayer d'assembler mes feuilles, pis ça, puis je pense que je vais décider après. Puis ça va peut-être finir avec beaucoup de blanc, parce que de toute façon, je me dis qu'il y a déjà pas mal de couleurs, là, en tout et partout. Ça se peut que ça soit joli juste comme ça. OK. Bon, donc on y va vraiment. On met une derrière ici. Je vais. Ici, là, je pourrais essayer d'en trouver une tout petite. Il me semble que ça serait vraiment, vraiment cute. Une petite fleur qui arrive à peu près au pied de ma petite. De mon petit moineau. Tiens.
Tiens, tiens. Comme ça, ici, et là, et là, et là. Vraiment, là, j'y vais à peu près. Je veux vraiment juste comme essayer de reproduire le... T'sais, je veux que ça monte, puis ici, j'aimerais que ça descende. Mais c'est sûr que c'est pas tant évident. Ça, c'est trop gros pour rajouter là. Qu'est-ce que j'ai? Il m'en reste-tu des petits? Pas bien, bien. Hein? Elle est belle. Elle est belle ici. On va la mettre par là, par là, par là. On va. Je suis en train de me demander si ça pourrait être joli que... Ah ouais, elle serait belle là. Que ça... J'ai ben les interrogations finalement. Il va m'avoir donné de la misère, puis je le sais que, tu sais, si j'avais bricolé avec cette collection-là, puis la palette de la collection, puis que j'aurais pas fait de folie, ben, ça serait pas dur comme ça. Mais là, vraiment, je me suis donné de la misère, mon Dieu. C'est incroyable. J'aurais aimé ça, avoir un autre, la petite fleur comme ça ici, mais. Je ne sais pas. Allez. On va se rajouter des petites feuilles, finalement, en quelque part. Tiens, ça, ici, si je réussis à la glisser juste en dessous un petit peu, au moins, essayer d'utiliser mes petites feuilles. Je pense qu'il y a vraiment là. Ouais, là, regardez si je rajoute le blanc. Je voulais pas le faire, là, mais je pense vraiment que ça viendrait comme limiter un peu l'espace. Fait qu'on y va. Écoutez, de toute façon, là, quand que. Des fois, c'est le fun là, d'avoir toute la collection au complet, mais quand on l'a pas tout au complet, ben, des fois, là, des petites feuilles qui ressemblent un peu à ça, ben, on en a. Là. Il s'agit juste de regarder dans nos choses, puis on en a déjà. Mais juste ça, là, je pense, même là-dessus, c'est vraiment mieux. Puis je vais m'en mettre une ici. Puis ça, d'après moi, qu'un vœu, on va commencer à avoir quelque chose de pas pire. Je vais regarder si je ne l'ai pas. Ah oui, j'en ai une blanche. Bon, mais... ça va prendre un petit peu plus forme. Eh oui. Ben oui, voilà à quel point que je me cassais le bessic. Je vais la mettre devant. Comme ça, ici. Ça, je pense, moi, non, je pense que juste comme ça, là. Puis c'est ça, j'ai l'impression que si je voudrais mettre du bleu, ça me prendrait un beau grand cadre. Mais ça marche pas, le cadre. Ça marche vraiment pas. C'est trop... il est trop serré. Donc, je pense que je vais y aller comme ça. Tu sais, ça peut pas être beau. Mais que... Je vais peut-être faire un petit fond avec des brosses estompes. Puis, après ça, on verra, mais je pense qu'on commence à voir de quoi. C'est le temps, vous allez me dire que ouais, c'est le temps, ça fait quoi? C'est presque 2 heures. Ben, c'est mes plus gros, quand c'est long, c'est à peu près ça que ça dure. Puis tu sais, il va manquer, c'est ça, une petite touche. Je sais pas si mon vœu vraiment là-dessus, ça fonctionnerait.
J'aimerais vraiment ça. Tu sais, je pourrais essayer de me faire un cadre comme à la main. Ben, tu sais, à la main. En le taillant finalement à la main ou peut-être même, tu sais, si j'en fais un avec ça, mais que ça, c'est vraiment trop gros en fait, là, si je fais ça. Puis que je viens tailler comme le contour après. Tailler les coins. Je ne sais pas si ça pourrait fonctionner. J'ai l'impression qu'avec un cadre, ça serait vraiment bon. Et là là, là là, là là. Je vous dis que les décisions, pas facile. Hein? Ça aussi, ça serait beau. C'est sur un fond comme ça. Je vais regarder, j'en ai pas de fait. Des fois, j'ai des trucs de fait. Puis que. Ben non, j'en ai pas. J'ai plein de ronds, j'ai plein de. Mais j'en ai pas de ça. Donc. On dirait que je démarre pas de mon cadre, là. Ça me prend un cadre. J'ai comme envie de l'essayer, mais j'ai peur en même temps. Puis là, si je fais juste un fond, admettons, avec avec des brosses Stone, ben c'est sûr que je peux un peu mélanger les couleurs. Mais je trouve ça un peu plate, tu sais, que j'étais déjà comme là-dedans. C'est juste ça l'affaire. OK, là, il faudrait qu'on fasse ça en dedans de 2h15, 2h10 même, là, je dirais. Je voulais pas battre mon record aujourd'hui, mais ça s'enligne quand même pour ça, j'ai l'impression. Ouais. Dans le fond, là, mon cadre, ce que je réalise, c'est que. Il n'y aurait pas besoin d'être si large que. Il n'y aurait pas besoin d'être si grand. C'est juste que j'ai l'impression que celui-là, il est trop large par rapport à. Tu sais, je peux pas. Je trouve vraiment qu'il est costaud, là. Parce que j'aurais pu comme me tasser un peu sur le côté puis que mon vœu s'en vienne en quelque part ici. Mais je trouve que ça fait massif beaucoup avec ça. Donc, finalement, là, je pense que mon idée de en faire un, je vais m'en faire un dans le fond. J'ai essayé de m'en faire un à la main. Hein? C'est ça qu'on va faire. Tiens. Pas drôle. Lui, il fait 4, 4 et 1,8 normalement. Par. Ouais. 4 et 1, 8 par 5 et 3, 8. Donc, si je veux au moins une bande de, mettons 3, 8. Je vais y aller comme à peu près. Je vais y aller, tu sais, que t'sais, je me rends pas où ce qu'il faut exactement. Ça, c'est sûr et certain. Mais ça va me permettre d'arrêter avant, puis au pire, de le tailler au ciseau. Je me rends ici. Tu sais, ce qui manque, ben, c'est ça. Je le ferai juste au ciseau. Fait, je me laisse 3-8 de chaque côté. Voilà. Ça, je vais en avoir un cadre. J'en voulais un cadre. C'est pas compliqué, hein? Ça m'en prenait un. Ouais. Oups, là, j'ai peut-être dépassé un peu, mais bon, c'est pas grave. Et là, voyons ce que ça donne si je viens tailler ce qui manque. J'ai peur que ce soit pas droit droit, mais bon. J'entends mon chien ronfler. Ah, j'ai vraiment peur que ce soit pas droit, mais. J'aurais pu le, mettons, très perfectionniste. J'aurais pu, on s'entend, venir le faire, venir tout écrire,
le tracé avec une règle. Je pense que ma règle est en haut. Par contre, j'ai mesuré les pieds de mes enfants. J'ai monté ma règle pour ça, mais, ouais. Là, j'y vais vraiment à l'œil. Puis je pense que si je l'avais marqué, j'ai voulu. J'ai peut-être fait ça par paresse, mais finalement, c'est comme. C'est aussi long. Regardez ça, le beau cadre parfait. Il est parfait, parfait, parfait. Je pourrais même, tu sais, le passer dans un plioir, ce serait super beau. Mais là, écoutez, il est vraiment. Je pense qu'il va rester blanc, bien normal. C'est assez, là. Puis, puis je ne sais pas si je vais avec ça en arrière. Par contre, ça, c'est ma question embêtante. C'est quand même vraiment joli, je trouve. Je ne sais pas si je suis folle. Tu sais, j'ai même pas besoin de racheter de fleurs comme ça. C'est déjà super beau. Je vais me faire un petit... Je vais me choisir un bois foncé, en fait. Puis je vais aller faire mon petit stem. Après ça, ça va me prendre un vœu. Puis on va presque avoir une carte, là. Hein, finalement. Là, j'aime vraiment le fond bleu. C'est bien drôle, là. Ça, je pensais que ça allait être la couleur que j'allais mettre comme délicatement, là. Vraiment très, très... de façon très, très douce. Puis finalement, ben, c'est là qu'on va voir le plus. Là, je suis en train de chercher, mais ça, c'est un peu foncé, mais c'est pas laid non plus. Je me suis beaucoup servi de ces papiers-là pour faire mes petites cartes cadeaux. Oh, ça, c'est parfait. Fait, je vais venir découper ça ici. Puis, ça va ressembler à ça. Je vais peut-être en profiter pour découper les petites... manquerais-tu des petites feuilles? Des petites fleurs, mais... On s'entend qu'il manque pas grand-chose. S'il manque quelque chose, ça va être délicat. Donc, ça. C'est surtout la plus petite là, que j'avais envie de m'ajouter. Qui ronfle, ce gros chien-là. Non, ça bouge. Et là, là. Attendez, excusez-la. C'est... Oh là là, que ça va bien. Quand ça va bien... Ça va bien, hein, comme dit. OK. Bon. Vendu. OK. Tiens. Ouais, je pense que ça va se mériter pour vous montrer comment que... ça aurait pu être une palette facile. Finalement, il va falloir que je fasse autre chose. Si je ne le fais pas en vidéo, c'est sûr que quand c'est improvisé comme ça, le concept est cool, mais c'est un peu plus long, hein, des fois. Ça, je me suis découpée. Ça, je m'en ai découpé d'autres. Je me suis dit des fois que... Mais ça, ici, là, tu venais rajouter juste une petite touche de melon mambo, j'aime quand même ça. Ou sinon, que je la mette ailleurs, je sais pas, mais bon. Donc, on y va comme ça pour de vrai. Là, ça va être ça qui va être ça. Finalement. Donc, sur une base blanche, je me casse pas la tête. Remarquez que ça pourrait être le fun là, de se casser un peu la tête. Pour de vrai, ça pourrait être beau que... pense pas, hein? Je ne pense pas. C'est un peu trop foncé.
Ça pourrait peut-être fonctionner avec une couleur plus pâle. Et là, là, non. Bon, on s'en va. On va y aller valeur sûre sur une base blanche. Ça, c'est trop serré pour. Je la mette juste comme ça. Puis de ce bord-là, est-ce que c'est quand même joli? Des fois, mais j'ai comme une préférence pour tout ce qui est à l'horizontale, on dirait. À part ma carte. qui est à la verticale. J'aime vraiment les. J'aime vraiment les choses. Plus à l'horizontale. Donc, je vais me découper vraiment un morceau. Je vais y aller dans le 4. Je vais mesurer mon trou pour être sûre, mais je pense que 4. Ah, il y a du. Oh oui, 4, ça serait bien en masse. Donc, 4 par 5 et quart. On va avoir. Un beau fond. 5 et quart. Donc, j'ai enlevé comme un quart partout. Voilà. Et. Là, je suis en train de me demander, ça va-tu être serré un peu? Non, je pense que non. Je pense que c'est bon. Donc, je vais coller ça avec mon adhésif liquide, la colle. Voilà, voilà. Et voilà. Et là, ça ici, je pense que. On dirait qu'il a mangé des petites gouttelettes. Mais c'est pas grave, ça va être beau quand même. Je vais utiliser mes coins. Hein? Mes rebords et mes coins. J'en ai tellement. Souvent, tu sais, je pourrais les utiliser comme normalement. Comme adhésif, prendre des petits bouts puis coller des petits bouts, mais en même temps, sont tellement pratiques quand j'ai des choses comme ça à faire que j'aime ça les garder juste pour mes. Juste pour quand j'ai des cordes, des trucs comme ça. Ah, puis je viens de me souvenir. Oh non, je t'ai oublié, Grace. Je devais faire une carte à secouer. Ça m'a complètement sorti de la tête. Oh mon Dieu. Je vais te trouver quelque chose. Quelqu'un, Grace, m'avait demandé des trucs. Je vais faire mon live là-dessus, sur des trucs pour faire des cartes à secouer. Ça m'a complètement sorti de la tête, pour de vrai. Je vais essayer de te préparer quelque chose. Inquiète-toi pas. Je vais te donner mes trucs. Je ne sais pas si j'ai la science infuse, mais pense pas. Je ne sais pas. Je le sais que j'ai pas la science infuse, plutôt. Mais vraiment, là, quand on. Après, quand on a fait quelques-unes et qu'on a des bons trucs, normalement, c'est pas dur à faire. Donc, je vais essayer de préparer quelque chose. Pas là, là. Pas pendant ce live-là, hein. C'est assez, je pense. C'est assez. Vous êtes sur le bord d'entendre mon ventre gargouiller, dire que je médite ça, moi, que j'ai mis à 11 heures pour. D'habitude, je fais ça en moyenne, c'est à peu près une heure. Mais là, j'avoue que je l'ai complètement échappé. Hein, c'est des choses qui arrivent. Mais ouais, là, ça va être vraiment. Je vais vraiment rebricoler avec cette palette-là. Là. Il y a trop de quoi à faire avec l'autre collection. Puis en fait, peut-être aussi avec d'autres choses que j'ai pas encore reçues. J'attends quelques commandes, mais dont une très très grosse que je crois que les sachets économiques en passant, hein, ceux-là qui ont pas j'ai l'impression, je sais pas si ça a passé inaperçu, mais d'habitude j'en ai plus. Fait que c'est ça. Je sais pas s'il y en a qui ont comme oublié de commander leur achat économique, mais ça finit vraiment bientôt. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Ça, ici, là, je suis en train de me demander.
Vas-tu me mettre comme par-dessus? Non, je vais le mettre en dessous. Mais, ah, je vais m'organiser avec après. Tiens, on y va. Donc, ça, ici, on s'en vient coller ça, finalement, le plus droit possible. Puis là, ma base de carte n'est pas droite-droite, donc c'est un peu difficile, mais bon. On va s'organiser avec ça. Donc, voilà, voilà, voilà. Et finalement, mes petits oiseaux, je peux vraiment les mettre centrés ou les mettre un peu plus à l'ouest. Hein. C'est pas à l'est, plutôt. C'est vraiment au choix. Ça, ici, je vais me découper. Tiens, je vais me découper ça comme ça. Je vais venir le coller, puis après ça, ben, je viendrai fixer ma cabane par-dessus. Il va juste manquer pas mal un vœu, puis peut-être des ornements, là, mais honnêtement, j'ai pas besoin de grand-chose. C'est assez complet. Ça va être assez complet. Tiens, on y va. Centré, finalement. Et... Hop-là. Et celle-là, ici, il ouais, faut que je la descende un peu. Je vais en perdre, là, mais je ne vais pas la mettre trop haut. Je trouve ça fait drôle. Ici, dans le fond, tu sais, ça, c'est déjà collé avec des points de mousse. Donc, je vais juste venir combler quelques endroits avec d'autres points de mousse. Mettons, comme ça. Mes cinq coins. Je repense à la face de ma fille ce matin quand on a fait face à face avec le petit lièvre. C'est vraiment cute. Elle était vraiment contente. Bon. Donc, ça, ici, je vais venir fixer ça comme ça. Comme ça. Et. Ouais, ça ici, j'ai comme le goût d'en rajouter le vœu. Bon, on va s'aligner sur un vœu. Ça va nous aider aussi. Mais je pense que ça va être passe une très belle journée. J'ai vraiment l'impression que c'est le plus. La liberté t'attend, tu sais. Ben, à la retraite, ouais. J'avoue qu'à la retraite, ça se dit bien. Mais. Bon, là, c'est de savoir. Je m'en ai servi il n'y a pas longtemps. Donc, je ne sais pas si je ne vais pas venir le glisser en plusieurs étages. Là, j'ai l'impression que j'aurais beaucoup, beaucoup de choix pour le mettre, ce petit vœu-là. Je pourrais vraiment y aller en couleur. Des petites languettes. Je pourrais, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? J'ai l'impression que dans le melon mambo, je pense pas, là. Mais j'aurais eu envie de le laisser pareil. Copacabana, c'est tout le temps beau, d'habitude. Copacabana, non. Finalement, non. Sinon. On va regarder le. Ça pourrait être cute. Ça pourrait être bien, bien cute, là. Je le découperai comme en trois, finalement. Parce que il est comme drôle à placer. Puis, tu sais, dans le catalogue, avec ça, ils ont même pas mis de cartes qui ont des vœux carrément, tu sais, fait que j'ai l'impression que, mais c'est pour ça que je pense que si je mets ça, c'est non. Puis melon mambo, je vais l'essayer quand même, parce que j'ai l'impression trop foncé, donc vraiment là, ça ici, ou c'était quoi mes autres couleurs, j'avais mystérieuse brume, mais là il y en a assez. C'était pas mal ça. Hein? Fait, je pense qu'on va y aller dans le gagnant est
bain à bulles. Je pense que ça va être super joli. Puis je vais voir si je me rajoute pas des petites fleurs là, à la fin. On va enlever la statique avec mon petit embossing body que j'ai dû garrocher en quelque part tantôt dans le jus. Puis là, il va falloir que je me ramasse pour le trouver parce que il est comme impossible. Hey, j'ai tout mélangé. Mes couleurs donc étaient toutes bien placées. Là. Famille. Mais pas famille, mais tout vraiment ton par ton. Puis là, elles ne sont plus comme ça du tout, du tout. C'est terminé. On dirait que. Hey, je le trouve plus. Est-ce qu'on prend-tu un guess et on l'essaye? On va savoir de la statique. Il la laille. Bon, on va l'essayer. Hein? Que voulez-vous? Je le sais qu'il est là en quelque part, mais je l'ai passé tantôt. Mais je ne sais pas. Donc, on y va. Puis là, je ne prendrai pas de chance. Je vais l'étamper deux fois. Vu que je veux le découper assez serré. Je pense que c'est une bonne option. On étampe deux fois. Puis si jamais on a des découpes justement qui sont trop serrées, ben ça nous permet de réutiliser le deuxième. J'étais vraiment hésitante peut-être à ajouter du doré. Je trouve que ça serait joli. Mais là, sur ça, je suis comme pas sûre. Donc, je vais voir après peut-être dans mes ornements que je pourrais ajouter un petit peu de dorure. Ça va être cute, je pense. Ça fait bien, bien mignon. Voilà. Pistolet chauffeur. Il est ici. Voilà. Donc, on chauffe. Ah, c'est une très belle journée. C'est parfait comme ça. Vraiment, là, j'ai pas du tout le mélange, le dosage de couleurs que je pensais. Donc, je pense vraiment que je vais recréer. Je vais voir ce qui est supposé de rentrer aussi. Je pense que je vais attendre. Je sais pas quand ça rentre. Par contre, je me souviens pas si ça rentre cette semaine. J'en attends une couple. Puis, je sais plus c'est quand que c'est supposé de rentrer, mais. Mais, ouais. J'ai comme envie de. D'attendre cette commande-là, finalement. Donc, là, ici, on va essayer de. C'est sûr que ça va être un découpage un peu pas comme. Pas standard. Je vais peut-être essayer de découper en haut. Un trait quand même pour avoir quand même ce que je peux avoir droit. J'ai pas de misère au ciseau à part quand c'est le temps de couper droit. Quand c'est le temps de. J'ai vraiment aucun complexe là, de couper à peu près. De contourner finalement, mais quand il faut que je coupe droit. J'aime beaucoup mon coupe-papier, finalement. C'est vraiment un essentiel. Donc, ça, puis je vais venir là. Ouais, je suis vraiment, je vous dis là, je suis tellement pas où je pensais que je m'en allais. Ça en est vraiment drôle. Je pensais vraiment pas que ça aurait l'air de ça, ma petite cabane. Mais c'est. Puis le truc, c'est ça, je suis quand même contente. Puis je suis bien, bien fière. Là, mais reste que je trouve que je sens pas assez ma palette par rapport à ce que je voulais. Mais c'est ça, c'est un peu l'idée de ma cabane. Avec le papier design, de venir le teindre avec les stamping blends. C'est un peu ça, là, je pense, qui vient vraiment, vraiment beaucoup. Qui m'a limité. Il aurait fallu que je mette plus de couleurs. Je
Je pense à aider là, si j'avais essayé de mettre. J'aurais été capable de mettre les 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas tout à fait, là, mais bon, c'est sûr que ça aurait été un peu plus facile. Donc là, hey, c'est perché en hauteur, le vœu, hein, les vœux aussi. Passe une très belle. Est-ce que je suis capable de... Non, je pense qu'il va falloir que je vienne peut-être embarquer. Je voudrais pas embarquer sur mon petit moineau, mais ça se peut que j'avais pas le choix. Hein? Hey, j'achève. Je pensais pas réussir à faire de quoi qui me plaît finalement. Je pense que si j'embarque comme ça ici, c'est possible. Là, c'est juste que je suis vraiment en hauteur. Je pense que je vais essayer avec deux épaisseurs là, ici de pour ça. Remarquer que si je les mets juste. Non, c'est ça, j'aimerais ça. OK, peut-être une épaisseur, mais qui embarque sur mon corps, je devrais être bonne. Hein, ça devrait être correct. Donc, je vais vraiment juste me découper un petit bout de point de mousse. Puis, dans le fond, l'autre côté, je vais juste y mettre un glue dot. Donc, normalement, ça devrait à peu près ça devrait être à peu près la même hauteur. C'est comme ça ici. Donc, je m'en viens glisser ça. Je voulais l'embarquer un peu. Oh, bah, bah, non, il manque une hauteur. Donc, ça me prend vraiment deux épaisseurs de. J'aime ça quand c'est bien droit. Hein? Deux épaisseurs de point de mousse. Donc là, je suis en train de le tordre un petit peu, mais bon, je pense que ça va être correct. Tiens, passe une. Puis là, je vais m'en aller vers un peu l'intérieur. Très belle. C'est sûr que je perds. Je perds un peu ma petite fleur, là, mais je pourrais peut-être venir en ajouter d'autres aussi. Là. Ça pourrait fonctionner. Une très belle. Je suis vraiment en train de racheter de la mousse. Bref, cette carte-là, si je l'envoie par la poste, elle ne passera pas comme une lettre standard. Hein? On s'entend que ça va prendre un. C'est des thèmes grands pour moi, là. Tiens. Une très belle et journée. Je pense que j'aurais pu le mettre plus bas, par contre. Et la light que je suis en train de faire de la torture. Puis, j'aille pas non plus, même, tu sais, elle a un petit peu croche, là. Ça me dérange pas quand c'est des. Il veut comme ça découper en plusieurs. Et boba. Il veut-tu? Ok, il veut. Découper en plusieurs étages. Ça fonctionne. Ok. Voyons. Ok, il veut. Il veut pas complètement celui-là, donc on va. On ne mettra pas au complet ou on va le mettre en deux temps. On n'a pas le choix. Je pense que juste comme ça, ça va se faire. Journée, tiens. Voilà. Et là, dans le fond, il me manque quoi? Il me manque, tantôt, je disais que j'aurais aimé ajouter peut-être une petite fleur. Une petite fleur. Je pense que c'est ici, celle-là qui. Ouais. Je sais pas, ouais, je pense que ça va être par là. Puis c'est sûr que du feuillage, il m'en reste, là. Je pourrais vraiment rajouter quelques petites feuilles, là, par en dessous, à la limite, pour les passer dans un, mais pour
rajouter un peu de couleur de la palette. Parce que là, je vous avouerai que le melon mambo, surtout, n'est pas super présent. Mais bon, c'est pas si pire, là, s'il y a juste ça qui n'est pas présent. On va prendre mes 7 couleurs. Mais il est présent quand même. Mais pas comme je l'aurais souhaité. Celle-là, je pourrais essayer de la glisser. Juste en dessous. On peut vraiment aller juste s'assurer de. Juste en les passant, là, ça. Même ici, là. Comme ça. Puis je pense j'en ai une petite dans. J'en ai sûrement d'autres. J'en ai une belle, là, mais c'est sûr que. À un moment donné, on ne sait plus où les mettre. C'est pas mieux non plus quand on ne sait vraiment pas où les mettre. Parce qu'il y en a assez. Souvent, c'est ça. Souvent. Elle. C'est loin pas mal, hein? C'est loin pour une petite. Je vois juste ce que je vais faire. Je vais y aller avec un outil de touche à tout. Ok. Avec un outil touche à tout et je vais la mettre ici à la place. Tiens. Bon, donc voilà. Et là, on s'entend que du ruban. Il y a qui? Je suis désolée. Oh mon Dieu. Ok. C'est pas grave à la personne. Je ne sais pas si ça m'écoute. Mon Dieu, là, j'ai plein de messages. Très beau. Bonjour. Merci. Ouais, c'est finalement le fond bleu. Ça fonctionne. Je pense. Bon, là, je disais, j'ai envie de mettre de la dorure. C'est sûr, j'aurais ça ici, mais ça fait bizarre. Là. Un type d'oiseau avec d'autres oiseaux. Je vais regarder qu'est-ce que j'ai encore là. J'ai pas encore tout reçu. Mes ornements. Donc, j'ai peut-être ceux-là, par exemple, qui ont un peu de doré dedans. J'ai l'impression que la dorure, ça aurait vraiment été beau. Bon, parce que après ça, dans la dorure, j'ai ça ici, mais je suis moins convaincue. J'ai ça. Ça existe ça encore, ça? Il semble que oui. Il semble que c'est en quelque part, si c'est pas dans le catalogue. Je pense que j'ai pas fait le ménage de mes ornements. Ouais, j'ai vraiment encore des ornements. Je suis rendue à peu près là dans mon ménage. J'ai pas fini. Fait, je vais y aller avec ça, là. Je pense que c'est une belle petite valeur sûre. Coucou Lucette, j'espère que tu vas bien. Écoute, ça fait longtemps que je suis en direct pour faire une carte que j'aurais pas. Je suis contente, je suis vraiment, vraiment contente du résultat, mais j'aurais dû écouter ma première intuition qui n'était pas de bricoler avec ce lot-là. Parce que là, ça a quand même été plus long et plus complexe que j'aurais pensé. Là, je suis en train de mettre ça, mais je me dis que sur le bleu, c'est ça, on ne les verra pas, hein. On ne les verra pas beaucoup. Donc, si je veux. Pop. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux les mettre comme à travers un peu. À travers tout. Hein? Pourquoi pas? Je suis vraiment embêtée. Une ici. Je vais venir en mettre un autre. Et là. Ouais. On va comme se promener un peu sur les trucs, finalement. OK. Ouais. C'est un drôle de plaçage, je trouve. Mais bon, réponds. Je peux pas répondre. C'est pour mon hypothèque, c'est tellement pas... Ça, c'est dans un an qu'on renouvelle. Okay. Mais en même temps, c'est un peu de ma faute. Je leur avais parlé de projet, mais c'est pas pour tout de suite non plus. Fait qu'il va falloir, je les rappelle, pour leur dire de me laisser tranquille jusqu'à temps qu'on soit prêt. Hein? Donc, elle ici, elle n'est pas allée où ce que je voulais. Ah! Ah, je
ça. J'aurais dû les mettre plus bas, ces autres. Hein? C'est tout ça que j'aurais dû faire. J'ai l'impression que oui, mais là, elle me donne vraiment trop de difficultés. Puis, je veux. Parce que là, ça ressort zéro. Elle en est. OK. Tiens, on va se reprendre une autre fois pour ceux-là. Ouais, je vais y aller comme ça, en fait. Ça va être bien mignon. Oups. Tiens, voilà. Donc, c'est vraiment pas dans mon habitude. Là, je suis. Écoutez, je l'avais dit que c'était un défi. Mais là, je suis allée ailleurs. Donc, j'espère que. Je pense qu'il y a Hélène qui regarde. Je ne sais pas si elle a dit bonjour. Hein? Je vois pas tout votre repos. J'ai-tu l'air fatiguée tant que ça? Mon Dieu. OK. Bon, ben écoutez, je m'en vais manger, en tout cas. Puis après ça, j'ai la laveuse qui m'attend. Puis j'ai beaucoup de travail, mais ça se peut que les détails sortent juste demain, là, parce que c'est ça, hein? Quand même. Donc, j'espère. Puis je pense que ça va être plus beau, en vrai, que... En photo que là, je pense qu'on manque un peu de luminosité. En fait, ma lumière est juste au-dessus du téléphone, donc mon téléphone fait de l'ombre. Donc voilà. Donc merci d'avoir été là. Roland, je pense, a été là tout le long. Merci, merci à tous. Puis je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas, hein, j'aimerais ça que vous bricolez avec la palette. Même si, puis comme je vous disais, vous n'êtes pas obligé d'utiliser toute la palette. Je sais qu'il y a beaucoup de couleurs. Donc voilà. Donc je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt.